Eh bien, voilà. Bonsoir, les gens. Bienvenue à bord. Donc, ce soir, c'est un live euh, impromptu, pas prévu. J'avais juste envie de de faire ce que j'avais promis de faire lors d'une des précédentes lectures où euh, avait été évoqué très brièvement non, le nom d'Ivanevich. Je m'étais mis en tête euh, dans la foulée d'une lecture de Duvignau. Salut à toi, film euh, D'alléger un petit peu la fin de live en disant Ouais, ce serait cool de découvrir un peu un des bouquins les moins connus d'Ivalich, H2O. Et puis j'avais commencé à le lire, et paf, je découvre que ça n'avait pas beaucoup de sens, puisque euh, Ilich euh, a recours pour imager son son récit, euh, son essai, a recours à une iconographie picturale qui a l'air plutôt chouette. C'est un peu con quand même d'être en train de lire un texte qui fait autant de références. Euh, à des images et de n'avoir pas la moindre image à vous montrer à ce moment-là, c'était dommage. Donc j'ai décidé ce soir euh, sur un mode plutôt tranquille. Si je m'attends pas spécialement à, à tirer grand monde avec un live qui n'a pas été annoncé, pas préparé, mais ça euh, a peu d'importance. Si ça va faire une petite ouverture vers H2O, ça permettra à ceux et celles qui sont là en temps et en heure, qui sont là là ce soir avec moi, ben bah, de poser des questions s'il le désire euh, sur ce qu'on va découvrir ensemble et euh, pour le reste mais c'est pas très grave hein, cette ouverture elle sera tout à fait disponible ultérieurement en replay et, et donc euh, le travail d'une certaine façon aura été fait et je suppose que comme la du Vigno et la théorie esthétique d'adorno je finirai par en faire une lecture intégrale comme ça, on avancera pas à pas, comme on le fait avec Gaël dans, dans Les gardiens de la raison. C'est un texte beaucoup plus léger, plus enlevé que les textes qu'on aborde habituellement sur cette chaîne. Donc, ce seront des lectures plutôt cool, plutôt tranquilles. Et euh, rien qui nécessite des solides connaissances en quoi que ce soit, a priori. Voilà, voilà, voilà. Donc Ivan Illich, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Illich, c'est un des intellectuels les plus surprenants, les plus intrigants à mes yeux du XXe siècle. Je crois qu'il naît quelque part à la fin des années 20, début des années 30. C'est euh, un homme qui a abordé toutes sortes de domaines de la pensée avec une vivacité toujours renouvelée et surtout avec des angles de vue jamais anticipables. Il fait un peu jamais rien comme tout le monde quoi. Il a fait euh, des études, à ma connaissance, de théologie. Je sais plus dans quel cadre, si euh, c'était dominicain, je crois. Hein. Euh, S'il y a des spécialistes d'Illich dans, dans le chat, ils, euh, ils pourront confirmer ou infirmer. Je vais baisser un petit peu la musique. Et euh, je crois qu'il se, se destinait, euh, plus ou moins, enfin, il se destinait à la prêtrise, même euh, si a priori euh, au Vatican, on n'aurait pas détesté la voir dans, dans les cadres euh, diplomatiques. Cette prêtrise, il est allé l'exercer en Amérique latine. Alors lui, je sais plus où il est né. Je crois qu'il est né en Allemagne. Je ne peux pas vous dire. Attendez, je vais aller vérifier ça. Où es-tu né, Ivan, ou en Russie Où es-tu né Non, c'est bien en Ah non, c'est en Autriche. En Autriche. Et euh... c'est à Porto Rico qu'il va aller faire des. Qui va aller faire. Comment. Euh... Qui va. Comment je pourrais dire ça tout simplement Il va exercer son ministère voilà, en tant que prêtre et il va se pencher avec intérêt sur les structures euh, conjointes de l'enseignement, de la pédagogie, de l'école et l'organisation religieuse. Il va commencer à devenir assez critique de, pour dire, des, des formes institutionnelles de, de son propre monde. Euh, ça va chauffer avec sa hiérarchie religieuse hein, qui verra d'un seul œil euh, son intérêt pour certains sujets et sa façon de les traiter. Et, euh, et ben il va envoyer tout boulet et il va aller faire autre chose de sa peau. Il écrira sur euh, de nombreux sujets. Euh, il peut écrire sur l'école, mais il peut écrire aussi euh, sur la construction des cités, euh, sur l'énergie. Il, euh, il a écrit sur euh, la médecine. Moi, c'est par là que je l'ai connu. Quand j'étais euh, adolescent, j'étais fasciné par euh, l'art médical. Alors pour ceux, celles qui ne connaîtraient pas, vous n'avez pas vraiment de raison de connaître ça. Ça correspond à un moment, à une, à un espace très précis de la production artistique des années 80. L'art médical, ça ne fait qu'à peine exister. C'est plutôt une personne obsessionnelle qui décide de donner un, un sens à, la, à sa propre notion, l'art médical, en, en agglutinant autour de lui des amis ou des œuvres hétérogènes. Dans lesquels il croit voir le reflet de ses propres obsessions. Cette personne, c'est Romain Slocombe. Pour toutes sortes de raisons, euh, je suis moi-même fasciné par la médecine euh, légale, euh, l'anatomie et, euh, d'une façon générale, l'art médical. Quand je suis adolescent, donc là, on, est... on doit être en 85, quelque chose comme ça, quand, quand je découvre ça. Bah, attendez, ça sort quand ce bouquin Ça sort quand euh... Ah, C'est un peu avant, 83. Donc ce livre sort, je me le procure, j'y trouve comme son auteur moi-même euh, de quoi alimenter mes propres fantasmes, comme je veux dire, comme son auteur le fait avec euh, les œuvres de ses petits camarades. Romain Slocumbe est très proche des gens de Bazooka, donc Louis Picasso, Kiki Picasso, Lula, Arsène, euh, Olivia télé -Clavel. C'est un mouvement euh, trop souvent associé au mouvement punk, mais qui ne l'est que de façon satellite, parce que tout simplement, les gens de Bazooka ont des potes musiciens qui font des pochettes pour eux. Mais à vrai dire, euh, leur univers artistique, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus proche de, de la figuration politique euh, d'Amérique latine, euh, des choses comme ça. Romain Slocum tourne autour de ça, il publie ce bouquin et... Euh, je suis ravi que ça existe. D'ailleurs, avec un ami, on ira rendre visite à Romain Slocum, tout timidement. Nous sommes de jeunes adolescents tremblants et timides. Oui, j'ai été un jeune adolescent tremblant et timide. Et euh, on partage notre excitation avec lui sur des questions de représentation. Euh, corporel de, de la blessure, de la traumatologie, mais aussi de la dermatose, enfin, toutes sortes de choses qui nous fascinent assez. Et en rentrant de, de cette petite visite parisienne, on décide de monter un numéro spécial d'un de nos magazines euh, consacré à l'art médical. Voilà, ce sera euh, ce numéro de la du fanzine Kitsch. Tout ça se fait sur une certaine durée parce que le temps qu'on se décide à faire les trucs, il peut se passer des années, c'est évidemment ce qui se passe. On continue à avoir des liens avec Romain Locon pour obtenir de lui des photographies. On a l'espoir de publier un recueil de ses photos. Et pour réaliser ce numéro de kitsch, je cherche des lectures. J'ai mes propres ressources, qui sont plutôt des ressources historiques. Je suis, comme je pense, beaucoup de jeunes gens fasciné par André Vézal, cet incroyable anatomiste du XVIe siècle, et euh, dont je reproduis les planches régulièrement, hein, qui me hante. Hein. C'est devenu à, à cette époque, depuis les années 70, les gravures d'André Vézal sont des, des, euh, des lieux communs de l'illustration littéraire. C'est très présent chez moi aussi. Mais je cherche d'autres trucs. Et euh, je tombe sur ce bouquin. Je ne sais pas du tout qui est le mec qui a écrit ça. Hein. C'est Ivan Ivitch. J'en ai jamais entendu parler. Je prends ça un peu au pif parce que, parce que ça m'attire, parce que le sujet a l'air assez fascinant. Et là-bas, ça l'aborder euh, plutôt inattendu. Je me dis, bah merde, ça a l'air plutôt très chouette. Je vais, euh, je vais euh, donc lire ce truc. Et euh, me voilà en train de me plonger dans Némésis médical. Bon, ce que j'en ferai dans Kish Magazine n'a pas eu grand intérêt, je dois dire. Hein. Ce magazine, enfin, ce, ce fanzine est plutôt. Bah, il est semblable à, je pense, à, à, à notre état d'esprit à cette époque. Donc, il est furieusement euh, brouillon, euh, sans doute euh, un, un peu, un peu euh, vivace du point de vue expérimental, mais il est beaucoup moins, euh, j'irais artistiquement, on pêche aussi par beaucoup de balbutiements d'un savoir. Et euh, la partie rédactionnelle est, il faut le dire, particulièrement mauvaise. Hein. Mais peu importe. La rencontre avec Illich est faite hein, au cours de ce livre, hein, qui est tout à fait extraordinaire, la musique médicale, et par la suite, bah, j'en accumulerai d'autres. Je ne les ai pas tous sortis de la bibliothèque, parce que je ne vois pas trop l'intérêt. C'était juste pour vous montrer l'étendue euh, des champs de recherche euh, de, de Illich. C'est toujours assez passionnant. Et euh, très vite, je tombe sur un bouquin, sur un sujet plutôt étonnant. C'est euh, celui-là, le H2O, qui a été publié aux éditions du Lieu Commun. C'est un bouquin, je crois, un peu tardif, de, de Illich. Euh, il est publié en 1985, je crois que c'est sa première édition. Il a été... Euh, pour, enfin, sa première édition française, parce que je crois que ce bouquin a été réalisé... Ouais, il est dans un cadre un peu particulier. Hein. Il, euh, il fait ça euh, parce qu'il y a... À Dallas, il y a euh, un projet qui est de construire, en, en plein cœur de Dallas un lac, un lac dans la ville. Et euh, pour des raisons euh, voilà, je crois que c'est marqué ici. Hein. Avec H2O, ouvrage suscité par le projet de l'aménagement d'un lac artificiel en plein centre de Dallas, au Texas, qui agite la ville depuis des décennies, nous invite à réfléchir non plus sur nous mêmes dans notre milieu, mais sur un élément fondamental de ce milieu, l'eau. Et le premier, euh, le premier état du texte est en anglais, c'est H2O and the Waters of Forgetfulness. Voilà, c'était le, le premier titre. En français, ça s'appelle beaucoup plus simplement H2O. Donc ce bouquin, il passe un, régulièrement à la trappe même des, des amateurs de Illich. Ce n'est pas vraiment un bouquin qu'on lit beaucoup, c'est aussi pour ça que je voulais vous le faire découvrir. Parce que par la bande, il m'a, moi, ouvert à plein d'autres lectures. D'abord, il y a très rapidement des configurations intellectuelles qui sont proposées là qui vont me passionner qui vont m'amener moi-même à étendre mes recherches mon intérêt pour euh, pour l'antiquité il y a tout un passage sur l'oracle qu'on va lire ensemble ce soir qui est assez chouette et euh, il y a une espèce de polyphonie euh, notionnelle qui travaille sous ce livre m'a euh, conduit moi-même du coup à, à, à trouver une sorte de cadence particulière dans mon propre travail, je dois se livre euh, autant que des renseignements, d'une certaine façon, des manières de conduire euh, ma pensée, euh, une manière euh, qu'on pourrait dire euh, extensive à, à, à tous les chemins rencontrés, par exemple, et une manière critique aussi, euh, qui est un peu particulière, c'est devant un objet essayer de se plonger, enfin, un objet et ses raisons d'exister, ses raisons de s'affirmer. Essayer de trouver en lui et avec ses défenseurs, avec tous ceux qui dessinent le cadre de sa nécessité, euh, les bons moyens finalement de mieux euh, comprendre comment le, le contrer. Donc non pas de façon très oppositionnelle, mais au contraire en se faufilant. J'allais dire dans la pensée de l'ennemi, euh, c'est un peu ça. En tout cas, il y a, y a chez Illich une, une aptitude à bien se pénétrer euh, des pensées adversaires, des représentations adversaires pour faire autre chose que d'en être l'opposant frontal il fait ça drôlement bien ça rend ça rend assez brillant finalement sa capacité à, à construire une pensée autrement que sur un terrain agonistique tel qu'on a l'habitude de, de s'y frotter c'est ce qu'on pourrait appeler avoir une aptitude à comprendre l'intelligence de l'ennemi quoi h2o bon c'est pas un livre batailleur c'est un livre assez analytique un, comment dire? Ça pourrait être considéré comme un livre de sociologie, mais historique. Il y a, il y a de ça dans ce livre-là. C'est aussi un livre de promeneur et ressemble beaucoup à Ivan Illich dans son espèce d'aptitude à abattre à peu près toutes les cloisons entre les disciplines et les objets de curiosité. Et il tourne comme ça par un cercle concentrique autour de son objet, l'eau. Et vous allez voir, il commence même par des visions, euh, enfin, par la représentation, par des questions mythiques, par des questions originaires. C'est plutôt passionnant. Donc je vous invite à découvrir Ivan Illich dans, euh, dans la largeur, dans toutes les largeurs de, de ses singularités, de, de sa vision, qui est quand même très belle. C'est une vision vraiment très ancrée à gauche, évidemment. Euh, mais. Un, il y a un rationalisme et, et, comme on pourrait dire, pratique chez lui, qui passe au-delà des habituelles oppositions entre pratique et théorie. C'est plutôt réussi de ce point de vue. C'est quelqu'un qui s'est toujours posé la question avant toute autre chose de comment faire. Comment faire dans l'adversité ou comment faire dans la positivité Comment faire Alors, on va commencer ce, ce texte. Excusez-moi, j'ai foutu un peu de bordel ici. Comme d'habitude, mon bureau est très encombré, comme c'est le même bureau où je fais les, les sessions de dessin et celles de lecture. Voilà où ça nous conduit. Cela fait 70 ans que de tous côtés des habitants de Dallas se groupent pour réclamer la création d'un lac en plein cœur de la ville. Au début du siècle, pareille entreprise aurait été jugée modeste. De nos jours, elle tient du grand projet. En 1984, une nouvelle équipe de spécialistes s'est penchée sur la faisabilité technique de ces travaux et sur la tolérance communautaire devant la submersion d'une douzaine de pâtés d'immeubles du centre-ville. Donc ça, c'est des images qu'on a tous en tête parce que déjà... Ils sont très fécondes dans le cinéma, euh, les, mais aussi dans, dans les représentations de l'imaginaire, ces lacs artificiels au fond desquels on suppose toujours l'existence d'un village, ce qui est par ailleurs souvent vrai. Ça a donné lieu à une série française qui s'appelle Les Revenants, Dans la première saison, si je me souviens bien, est assez fameuse et la seconde plutôt embrumée et ennuyeuse. Mais euh, il n'y a pas besoin d'aller si loin, pas loin de Rennes. Hein. Le lac euh, qui sert de réserve d'eau à la ville, un bassin a également euh, des habitations, euh, et, euh, a recouvert des habitations. Sauf que là, c'est en plein cœur d'une grande ville, Dallas, qu'il faudrait renoncer à une portion, comme un retranchement de la ville d'elle-même. C'est plus difficile à imaginer. C'est une drôle d'idée. Tel que l'imaginent ses partisans, le lac irrigera le commerce et le rêve sera une source de revenus fiscaux et un pôle de distraction pour ses adversaires. Il constituerait, pardon, un pôle de distraction. Excusez-moi. Pour ses adversaires, il constituerait une dilapidation de fonds publics. C'est une forme de distraction, mais un peu négative. À dire. Parmi les nombreux arguments qui ont été soulevés, examinés et resservis depuis sept décennies, donc c'est un vieux projet qui n'avance pas, vous voyez. Il en est un sur lequel les deux camps ne s'opposent pas. La beauté naturelle d'une pièce d'eau serait une source d'élévation morale dans la vie civique de Dallas. Une idée plutôt intéressante qui conjoint la présence de l'eau dans la ville et une élévation morale. Pour être largement répandue, l'idée que l'eau possède une beauté naturelle et que cette beauté influe sur la morale civique n'est pas toujours ouvertement exprimée. Mais il suffit de plaisanter sur la magie civique d'un plan d'eau pour s'attirer des regards choqués. Alors je vous ai mis euh, de temps en temps les, les petites euh, représentations de, de bon art et pour commencer, mais on verra que l'appel aux représentations picturales euh, ou sculpturales est fait par, euh, par Illich lui-même. Cette réaction vient de ce que l'eau, qui avait toujours été perçue comme l'élément féminin dans la nature, a été associée au XIXe siècle à la nouvelle image hygiénique de la femme. Image qui était elle-même une création de l'époque victorienne. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Euh, l'eau, euh, par exemple, a bien plus de présence pendant des siècles comme métaphore ou comme... Euh, euh, comme enfin, je ne parle pas de, 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 de l'eau euh, comme comme Source de, de vie euh, spontanée, le fait de, de devoir boire, mais l'eau dans sa présence euh, dans le monde des représentations évoque euh, plus le jeu, euh, le spectacle ou euh, les mythes originaires que euh, quoi que ce soit d'autre jusque-là, jusqu'au 19e et pas l'hygiénisme, une notion assez neuve au, au 19e. Le, le rapport à l'eau, c'est pas un rapport euh, de purification, à l'exception évidemment de, des eaux baptismales, mais euh, c'est un, un autre, une autre puissance qui travaille euh, les imaginaires autour de l'eau. L'hygiénisme, il apparaît assez tardivement. Alors, je ne sais pas s'il apparaît avec l'anecdote de Semmelweis ou pas, si c'est vraiment le geste qui va fonder euh, euh, la centralité de la représentation hygiéniste de l'eau au XIXe. Alors, si vous ne savez pas qui est Semmelweis, mais bon, c'est une anecdote assez connue, je pense, pour qu'elle soit parvenue à, à, à beaucoup d'oreilles, vraiment, enfin, bon, au cas où, je vous la fais courte. Euh, Semmelweis est un médecin sur lequel euh, bah Louis-Ferdinand Céline a, a, a écrit copieusement. Je pense que c'est en grande partie euh, grâce à, à, à la thèse de Céline euh, qu'on qu s'est penché sur le cas Semmelweis, qui, euh, qui a imposé à son service de se laver les mains. Lui, je crois qu'il travaillait en obstétrique et beaucoup de femmes mouraient en couche. Il a compris que euh, la proximité des salles de dissection, où euh, on passait comme ça d'une salle de dissection euh, à un accouchement, euh, était une source euh, évidente pour lui de, de la mortalité. Effectivement, il avait un taux de mortalité ahurissant dans son hôpital. Il a forcé les médecins à se laver les mains à juste ça, hein, en passant de la salle de dissection jusqu'à la salle d'obstétrique, et euh, drastiquement. Le nombre de morts chez les nouveau-nés et chez les femmes en couche a baissé. Donc pour autant, euh, l'histoire veut qu'on n'a pas immédiatement écouté ce pauvre semmelweiss, qu'il a été un peu raboué et que euh, dès l'instant où il était plus dans son service, on a cessé de se laver les mains. les nombres de cadavres a augmenté à nouveau et il a fallu attendre encore un petit peu pour qu'on accepte euh, l'idée semmelweissienne d'une causalité entre, euh, entre le taux de mortalité et euh, l'hygiène. Voilà. Et je ne sais pas si c'est ce geste qui est fondateur de l'hygiénisme du 19e, mais en tout cas, c'est un mouvement qui va gagner euh, de façon démesurée et elle va toucher évidemment le champ des métaphores. Ça veut dire par là que la, la puissance représentative euh, de purification de l'eau va excéder très largement les problèmes matériels de l'hygiène à proprement parler, au sens le plus simple de, de ce terme. Salut à toi, Tati. Pour commencer à toucher d'autres champs métaphoriques, on va retrouver un peu partout, à plein, à plein de degrés de, de la représentation de la puissance de l'eau, finalement, la, la puissance du lustre baptismal. Ouais, on parle d'eau ce soir, Tati. On parle de H2O de, de Ivan Illich. Voilà, je suis en train de lire ça. Et pour l'instant, on en est à la naissance de l'image hygiénique de la, de la femme au 19e c'est-à-dire de la consubstantialité dans euh, la représentation de l'eau, à la fois de son caractère proprement féminin, qui a une longue, longue, longue histoire, euh, qui, qui plonge ses racines, euh, je dirais, euh, dans, dans la plupart des, des mythes euh, antiques, dans une sorte de superposition, alors même s'il existe des tritons, euh, en fait, euh, si... Euh, si on regarde un petit peu euh, les figures de nymphes, c'est euh, un terme un peu générique, hein, les nymphes, euh, c'est des jeunes femmes euh, qui impatronisent les forces de la nature, euh, tout, toutes ces formes, que ce soit les naïades grecques, qui sont des, des divinités des rivières, des divinités des eaux douces, des divinités des fontaines. Euh, quand on pense à la sirène médiévale, j'ai pas pris la sirène grecque, parce que la sirène grecque, est, même si elle égare les marins, elle n'est pas elle-même à proprement parler une créature marine, c'est un oiseau. Mais la sirène médiévale a une queue de poisson, mais on peut penser aux ondines germaniques aussi. Donc il y a une espèce de, de nouage comme ça entre, entre les caractères féminins euh, et l'onde et, et l'eau. Et au 19e va s'y rajouter euh, l'image hygiéniste de la femme, il n'y a eu que le 19e siècle finissant pour associer au robinet de la salle de bain la nudité féminine en tant que symbole culturel. C'est pour ça que je vous montrais, là, voilà, on n'est pas au 19e, on est au tout début du 20e pour cela. C'est les, les tableaux de Bonnard, que vous reconnaissez peut-être, qui a fait quand même des séries assez nombreuses. Hein. Mais vous trouvez ça dans toute l'imagerie du 19e, c'est également dans, dans les premières photographies. Enfin, c'est un, un lieu commun complet de, de l'imagerie de cette époque. Là, par exemple, c'est un célèbre courbet, c'est la source de courbet. Le contact intime dans le tub ou la baignoire donc le tub, si je me souviens bien, c'est l'espèce de, c'est une des formes du, du bain domestique. C'est une espèce de tube, je crois, enfin de tube de, de baquet en, en métal. Alors peut-être que je peux avoir de la doc sur le tub. Ça nous dirait vraiment à quoi ressemblait un tub. Est-ce que c'est l'ancêtre de nos baignoires sabots, par exemple? Tub. Transport urbain brioche. Non pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais écrire tub et salle de bain. Peut-être qu'on saura exactement. C'est un terme, à mon sens, un peu archaïque. Mais peut-être qu'il est encore utilisé. Le tub ancêtre du receveur de douche. Est-ce qu'on peut regarder un peu ça Alors, je vais vous montrer ça. Hop là pour pouvoir le faire apparaître ici. Alors, Allons, bon, je perds mon bazar. Voilà. Voilà un top. Salut, My name is Méthos. Les hot tub streams sur Twitch. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Hot tub, c'est euh, le terme est encore courant. Euh chez les anglo-saxons. Mais euh, à l'époque, au 19e, on y avait tout un vocabulaire qui a disparu aujourd'hui, qui représentait d'une certaine manière la vie moderne, et qui est très présent dans les romans balsaciens, enfin dans les romans du 19e, les romans français, où on se pique. Tu vois, de, de teinter de tas de petits mots anglais qui ont bah, disparu parce que les choses ont disparu. Un cab, par exemple, qui est un moyen de transport. Et donc, le tub, on se lavait à l'éponge dans un tub venu d'Angleterre. L'ustensile qui a perduré jusqu'à l'avènement de la salle des bains moderne et l'ancêtre du receveur de douche. C'est une large cuvette, c'est ça. Circulaire en métal, zinc, tôle émaillé, cuivre, argent, ou en céramique. Il est portable, doté d'un bec entonnoir qui permet de le vider plus aisément. Et il vient d'Angleterre, dans le tub. On se lave à l'éponge. À la fin du 19 e les citadins les plus riches possèdent déjà une salle de bain alimentée en eau et équipée d'une baignoire. <laughs> voilà, voilà. Donc c'est l'ancêtre de nos salles de bain modernes. Le contact intime dans le tub ou la baignoire entre l'eau savonneuse et le nu féminin domestiquait à la fois l'eau et la chair. L'eau devint cette substance qui circule dans les tuyauteries. Et le nu féminin devint le symbole d'un nouveau fantasme d'intimité sexuelle défini par cette sphère domestique naissante. C'est la section pour piscine, jacuzzi et plage. Il y a une vraie section pour ça, My Name Is Metos, sur Twitch. Peut-être que c'est dans cette section que je devrais placer ce type de live. Alors. L'évolution des liens subtils entre l'eau et le nu féminin, la peinture nous la restitue dans toute sa complexité. L'artiste se sentait de moins en moins tenu de justifier la nudité féminine en la présentant sous un prétexte religieux ou mythologique. Alors ça, ça vaut pour évidemment toutes les formes de représentation, pas seulement les, les représentations dans un cadre euh, du bain, hein, même si euh, c'est un cadre important. Euh, par exemple, il y a des mythes euh, qui sont propices à la mise en scène du bain, comme évidemment Diane euh, surprise au bain euh, par Actéon ou Suzanne et les vieillards. Donc c'est deux, euh, deux exemples d'arguments euh, importants pour la peinture euh, classique pour justifier comme ça la présence, euh, la présence de nu féminin euh, dans un tableau. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, euh, je ne sais pas jusqu'à quand, mais il me semble... Euh, on, on aurait tendance à faire comme ça, ça avec Manet, la possibilité de se dégager complètement de tout argument pour présenter une femme nue, juste nue, mais euh, non, enfin, c'est plus ancien que ça. Euh, chez le, le Titien déjà, il y a des représentations qui ne vont pas chercher d'autres arguments euh, finalement que la frontalité euh, euh, d'un nu féminin. Et euh, assez tôt, enfin dès qu'ils le pourront, les peintres s'émanciperont de cette espèce d'argument. Ils s'en émancipent déjà la plupart du temps d'un point de vue euh, comment... Euh attributaire, c'est-à-dire que peu à peu il dégage tous les attributs qui permettraient de savoir qu'on a affaire à telle ou telle scène ou tel ou tel personnage pour mettre en lumière surtout le nu féminin et seulement lui, euh, donc en une certaine manière en dénudant une seconde fois le corps féminin, c'est-à-dire en le dénudant aussi de la, la totalité des, des arguments historiques euh, euh, censés euh, susciter la nudité. Et euh, peu à peu tout ça va évidemment... Euh, Tomber. Comme un raison. L'évolution des lins subtils. Alors, pardon. L'artiste se sentait de moins en moins tenu, justifier la nudité féminine en la présentant sous un prétexte religieux ou mythologique. Donc, hein, je vous donne Suzanne de Leviéa, prétexte religieux euh, Diane Aubin, prétexte mythologique. Avec le thème de la baigneuse, euh, je vous ai même trouvé euh, des jeunes filles euh, au bain. Euh, de Luini je vous montre ça où il y a zéro argument pour le coup et Luini bah, c'est le 16 e siècle hein le début du 16 un, je crois que c'est un quasi contemporain de Leonardo donc euh, on est vraiment à ce moment là on est dans la même région du monde d'ailleurs Luini est un suiveur de, de Leonardo c'est un peintre assez exceptionnel hein je vous ai amené ça pour que vous voyez que cet, euh, ce désir, enfin, cette mise en, en branle de l'abandon d'un prétexte quelconque pour mettre en scène le nu féminin, et c'est assez précoce toute. Avec le thème de la baigneuse, ils pouvaient fondre ensemble la femme et l'eau en tant qu'éléments de la nature. Il fallait le génie d'un courbet. C'est ce que je vous ai montré. Salut Gampig. Pour peindre la source, c'est le tableau précisément que vous voyez là à l'écran. En femme suprêmement femme, totalement à l'aise dans sa nudité et dans l'affirmation de sa chair. Ouais, on voit que Courbet nourrit une passion de peintre hein, pour euh, les effets de la cellulite. Il est capable de rendre toute la beauté de cette espèce de piqué qui granule la peau, comme ça, là, la resserre, elle lui donne l'aspect d'un fruit. La, la cuisse gauche, là, est assez extraordinaire. Salut, bon, je ne sais pas si on peut zoomer un peu, je vais vous faire ça, parce que c'est vraiment euh, intéressant de voir comment euh, Courbet érotise la cellulite, ce qui n'a rien de si étonnant. Le... Le rejet de certains aspects comme celui-ci hors des canons féminins est une obsession stupidement moderne dont j'espère qu'elle va disparaître complètement. Bernardino Luini, Bernardo, Luini, ça fait longtemps que je t'avais pas admiré ces œuvres. Ben, je vais vous en montrer. Vous allez voir, c'est très très beau. C'est euh, quelqu'un qu'avec Agnès, nous sommes allés euh, traquer en quelque sorte euh, dans le nord de l'Italie, puisqu'il a pas mal œuvré autour, euh, autour de Parme, euh, enfin, dans le nord de l'Italie, euh, duquel il est issu. Salut Mokong. Et je vous montrerai comme ça l'incroyable peinture de cet homme. Donc ce qu'on voit là, c'est un courbet. Et euh, ce sur quoi je vous faisais un peu de précision, c'est sur son traitement pictural de la cellulite. Il n'y a rien d'étonnant, enfin il y, a, il y a des grains particuliers qui sont assonantiques avec la pratique picturale, je dirais au même titre que le travail du cheveu. Le travail du flux euh, du cheveu ou euh, le travail du flux euh, de l'herbe sont assonantiques aux poils de pinceau. Alors, vu de loin, vous dites Mais qu'est-ce qui délire Qu'est-ce qu'on en a à faire Non, on n'en a pas du tout rien à faire. Quand vous chargez un pinceau et que vous tirez votre pinceau euh, sur la toile, vous entraînez avec vos poils une configuration euh, parallèle euh, qui est assonantique à certains autres objets et qui favorise, si vous voulez, le dialogue entre la représentation et la peinture en acte, tout simplement. Nous pourrions être de la même famille, dit Tati. Pourquoi dis-tu ça Tati Kong et Mokong, ah ben oui, oui, mais peut-être que vous l'êtes et vous ne le savez pas encore. Euh... Qu'est-ce que je disais Et la cellulite, euh, par, euh, par son grain, par euh, le piqué, par euh, le côté agglutinant euh, des petites particules euh, de graisse qui saisissent la lumière et produisent tout un jeu d'aspérités, euh, de petites zones de dépression, et à euh, ce nantique à la matière picturale, à sa granulation propre et à la façon dont elle s'organise pendant un certain moment dans son mélange sur la toile. Donc c'est tout à fait euh, Cohérent, compréhensible, qu'un peintre trouve dans euh, la cellulite un objet d'observation euh, privilégié pour peindre. Qu'est-ce que je disais <laughs> Oui, je ne vous cache pas que je voulais du Illich, mais comme toujours, c'est un prétexte à digresser. Sinon, à quoi bon la vie À quoi bon la lecture Autant faire ça tout seul. Évidemment, je fais ça pour vous donner envie de lire Illich, mais pas que si ça peut vous donner envie d'aller voir la peinture de Louigny. Ou de Courbet, par exemple. Il faut y aller. Alors Courbet, si vous voulez en voir, il faut aller à Orsay. Voilà, C'est là que vous en verrez pas mal, mais des très, des très précieux, des très importants. Il y en a certains qui n'ont pas quitté sa région natale, qui sont toujours dans le Jura, normalement. Notamment le très très beau renard dans la neige. Là. Mais sinon, il y en a beaucoup d'excellents à Orsay. Donc Courbet, pour le peintre du temps, l'association de la chair et de l'eau servait à rendre inoffensif le corps féminin. Au cours de sa longue carrière, Ingres fit du nu un personnage de bain turc. Alors mais pourquoi inoffensif bah, déjà si vous décelez le corps féminin euh, du piège historique dans lequel il est pris, vous euh... Vous déconstruisez aussi toutes les histoires euh, généralement peu flatteuses dans lesquelles les euh, corps féminins euh, sont représentés et pris. Voilà. La plupart du temps, les corps sont noués dans des intrigues euh, vénériennes euh, où se niche un certain danger, euh, où vient se placer euh, un certain nombre de tensions. Et euh, d'autre part, pourquoi l'eau est censée rendre inoffensif, c'est toujours pareil, hein, il s'agit soit, soit du motif historique et de l'argument, on pourrait dire, qui contiendrait en lui-même, euh, par le poids de, de l'histoire racontée, euh, de quoi saisir le spectateur et l'impliquer dans des représentations euh, inquiétantes. Mais euh, ensuite, si vous dénudez le nu de cet argument historique, alors le nu ne devient qu'un pur nu et euh, un nouveau danger se présente, en tout cas pour qui se soucie de la pudeur de son regard et d'être en train de regarder un corps. Sachant quand même que les collectionneurs d'art, acheteurs d'art, acquéreurs d'art, euh, jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps, étaient quand même très majoritairement des hommes, euh, et que il n'y avait aucune évidence en tant qu'homme. Dans un monde chrétien, par exemple, qui est quand même le monde où naît, où croit et où, où galope la peinture, où elle s'étend, il n'y avait aucune sorte d'évidence à être en train de regarder le corps nu d'une femme qui n'était pas la vôtre. Il faut trouver, dès lors, dès lors que vous n'avez plus la justification euh, historique, c'est-à-dire euh, l'implication de ce corps-là dans cette histoire-là, euh, qu'êtes-vous en train de regarder Pour ne pas être. L'homme de la concupiscence, il faut un autre argument. Et euh, s'il y en a bien un qui tombe sous le sens, c'est qu'une femme euh, ne se dénude pas que euh, pour se préparer au coït ou pour euh, se transformer en, en personnage de séduction dans un récit terrible, mais tout simplement pour aller au bain. Dans ce cas-là, tout va bien. Elle a une bonne raison d'être nue dans le tableau. Tout va bien. Je pense que c'est ainsi qu'on doit entendre cette association. Oui, une bonne excuse, Tati, oui, il faut une excuse. On doit avoir une excuse. Ceci dit, la question est très justement posée. C'est-à-dire que si on y réfléchit bien, qu'elle sorte. Salut à toi, Claire de Lune, pour aller se laver. Alors, si elle se baigne, je dirais qu'avant le 19e. C'est pas tout à fait vrai, mais hein, parce qu'il y a des très très belles euh, scènes de bain. Vous connaissez forcément euh, euh, ces très beau euh, tableau. Je vais aller vous les chercher. Alors, 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 on va aller voir un petit tableau de maniérisme français de l'école de Fontainebleau. Que vous connaissez sûrement là voilà. ta 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 où est elle la petite coquine excusez moi je suis en train de fouiner j'aurais dû vous chercher ça avant mais je n'y ai pas pensé c'est un truc qui se trouve au oh. J'ai un trou de mémoire parce que je suis bête. Euh, on connaît hein, les protagonistes de cette scène demain, donc je n'ai aucune excuse si je ne vous le trouve pas. C'est quoi le livre ce soir au Le livre ce soir, c'est H2O de Ivan Illichin, qui est un des bouquins les moins connus d'Ivan Illich. J'ai décrit au, au début du live qui était Illich et tout ça. Euh, donc tu pourras y, y recourir. à Bon sang de bois, j'ai un peu honte quand même. C'est un, un tableau extrêmement célèbre et je cherche, c'est. Merde, c'est elle et sa soeur. Les... Ah, c'est ça, c'est la maîtresse d'Henri IV et sa sœur. Mais comment s'appelait la maîtresse d'Henri IV Attends, Je vous la retrouve. Vous connaissez ça par cœur. C'est très, très beau. Alors, Gabriel Destré, bon sang, mais c'est une honte quand même. Laurent. J'ai vraiment honte. Gabriel Destré, -Grand, et je peux oublier le nom de Gabriel Destré. Excusez-moi, je suis. Un demi mois, voilà. Donc ça vous connaissez. Ce qui veut dire que euh, on peut pas opposer. Euh... C'est compliqué. Elle est... Même si effectivement c'est un lieu de toilette, euh, la question de la toilette là, elle est si ça vous intéresse, les questions de la toilette, on pourrait en parler une soirée entière. Il y a, il y a des études magnifiques consacrées à ça, à l'histoire de la toilette. J'ai aussi un bouquin assez remarquable qui vient du Château des Coins euh, où une exposition s'était donnée justement sur l'art du bain et de, et de la toilette. Donc ça, c'est très, très caractéristique de l'école de Fontainebleau. Mais ce n'est pas le plus connu tout, a un qui est très, très beau avec Gabriel Destré où elle lui tient le, le sein de sa sœur. Non, je vais vous trouver ça. Euh, Gabriel Destré et sa sœur, c'est celui-là que je voulais vous montrer. Et euh, j'ai une belle somme de documents sur l'art du bain. Euh... c'est celui du Louvre, qui est le plus joli. Parce que ça, c'est celui du tableau de Fontainebleau. Voilà, celui du Louvre. Gabriel Destrée et sa sœur. C'est une très belle salle que vous pouvez voir au Louvre. D'ailleurs, il y a des... un tableau de Cousin qui est complètement incroyable dans cette salle. Voilà, ça. Vous connaissez peut-être. Alors, voilà. bon, on est vraiment dans les très grands classiques. Donc c'est encore Gabriel Destrée là. Euh, la main est différente, hein, mais c'est un motif euh, courant. Donc on peut supposer que, que Henri IV a, a fait faire le portrait de sa maîtresse. Euh... Alors, voilà Gabriel Destin. Je ne connais pas bien l'histoire de ce tableau, je ne me suis pas énormément renseigné. Je dois dire que le maniérisme français, ce n'est pas du tout un truc que je connais bien. Par contre, je, je goûte volontiers. Quand je tombe devant, je suis très heureux. Je dois dire que Cousin, je trouve ça fascinant. Donc, c'est quelqu'un dont on pourrait être amené à parler, notamment des Cousins du Louvre, qui sont assez étonnants. Ils ont pas mal de dessins aussi qui sont très beaux. Qu'est-ce que je disais Je me suis égaré. Oui, euh, c'est parce, euh, parce, parce que Claire de Lune a dit ni pour aller se laver. Donc la question du bain, c'est-à-dire que des fois la frontière entre le jeu, le bain, le rituel et la toilette est extrêmement poreuse. Voilà, la membrane est très fine dans les différents états du bain, et quand on voit les représentations de bain, on comprend. Euh, ce, 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 cette espèce de, je dirais, d'indécidabilité, hein, dans cette thématique. Au cours de sa longue carrière, Ingres fit du nu un personnage de Bain turc. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de regarder, euh, le fameux Bain turc ça également vous l'avez vu pas mal de fois. Alors, c'est un livre de critique d'art. De quoi De quoi De quoi De quoi Ah, si c'est un livre de critique d'art, pas du tout. Euh, donc je récapitule brièvement, parce que là on est au début, c'est pas, pas grave que j'en reparle. Euh, il est question, à Dallas, à un certain moment, euh, de construire un lac artificiel en plein milieu de la ville. C'est un vieux projet. C'est un projet qui traîne. Là, on est en 84 quand Illich écrit ce bouquin. C'est un vieil Illich. C'est un... déjà un vieux monsieur. Hein. Illich en 84, je sais pas quel âge il a, mais euh, Illich il naît. Euh... Attends, bah si. Il naît, je vous ai dit. À la fin des années 20, peut-être début des années 30. Donc, euh, c'est déjà, déjà un vieux monsieur. Il a, il a euh, je ne sais pas, quelque chose comme euh, entre 50 et 60 ans, on va dire ça comme ça. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte euh, Je dis de bêtises, 80, Il a 60, une euh, énergie, ouais, là, il est né en 26. Donc c'est ouais, 60 ans après. Bon, c'est pas un vieux monsieur, mais c'est plus un jeune penseur. C'est toujours le même homme plein de curiosité pour tout. Et merci Chilène pour euh, ton follow. C'est gentil comme tout. Le petit père euh, Illich, donc euh, se penche sur le cas de, cette, euh, de ce projet euh, au cœur de Dallas, de construire un. Un ah lac artificiel. Voilà. Et ce projet, visiblement, ça fait 50 ans qu'il divise en quelque sorte la vie. Et Illich décide de consacrer un essai, un chouette essai à l'eau, qu'il appelle H2O. Alors, je vais peut-être passer le morceau de musique, parce qu'avec une voix sur la voix, c'est un peu compliqué euh, de suivre, je suppose, pour vous. Alors, puis le vieux Degas remplit son atelier de cuvettes et de tubes où ces modèles posaient. Alors ça, je peux vous en montrer un peu, évidemment. Je suppose que vous connaissez un peu la peinture de Degas. Donc là, on est euh, carrément chez le maître euh, du pastel et de la peinture de nu féminin dans des salles de bain. Là, il, a, il en a fait euh, en quelque sorte sa spécialité. C'est absolument fascinant. Le travail sur la lumière de Degas est plutôt dingue. C'est un mélange, euh, comment on pourrait dire, d'atmosphère irréelle et de crudité des chairs. Il fait cohabiter les deux dans sa peinture sans qu'on comprenne bien comment il fait. Mais il a un, un art euh, d'accommoder, euh, je dirais, la présence euh, picturale la plus grenue, la plus rude et, euh, et le l'étirement, le picotement, le vaporeux, euh, le plus doux. Et les corps sont de même traités. Alors, il peut euh, ne pas hésiter, comme sur ce, ce nu là euh, à, à lui donner son caractère osseux, un peu difficile. À... Enfin, il y a une rudesse euh, des traits, et euh, tout en partant, alors ça c'en est un autre, euh, au pastel, avec une composition assez dingue. Donc on retrouve le fameux tub, hein, le, la fameuse, le fameux baquet circulaire euh, en zinc. Hein. Ces pastels constituent des sources pour l'histoire de la femme à sa toilette à la fin du XIXe siècle. C'est moins le nu qu'il peint que l'absorption de la femme dans la relation entre son corps et l'eau, tandis qu'elle se livre à ses ablutions. Alors clairement, Degas va euh, arracher à ce moment, somme toute euh, censé être assez court, le moment du bain, des dizaines de scènes. Euh, qui marque toutes les étapes de, de ces fameuses ablutions, et, et notamment euh, de, du démêlage de la chevelure, du rinçage de la chevelure, euh, du séchage des pieds. Il n'y a pas un moment, il étend à, à, au maximum tout, tout les, toute cette toilette. Hein. Et ça devient, à proprement parler, un monde, quoi. Un monde complet. Avec euh, origine et fin, avec ses règles, avec son rythme, euh, avec son organisation euh, spatiale, temporelle, chromatique, lumineuse. C'est complètement renversant. Il y a une petite note là-dessus. Euh, Fiorella Minervina, que je ne connais pas, alors je suppose que c'est une spécialiste italienne. C'est déjà la fin de l'abondance à l'époque, les bains ne duraient pas 1h30. Ben, on est au 19e, shooting star. Donc, euh, les bains ont pris une place particulière euh, au 19e. Ils cohabitent, on pourrait dire, les vestiges d'une relation euh, lustrale euh, euh, symbolique à l'eau et euh, l'hygiénisme le, nouveau qui caractérise ce siècle. Donc, un regard sur l'eau qui est d'une autre nature. Et on, ça veut dire que l'activité du bain, euh, c'est plus. Euh, ils ont, disparu, par, ah, ils ont disparu. La dimension que je montrais à la Renaissance, par exemple, la dimension du jeu. Bon, enfin, en tout cas, dans la représentation, c'est clair que ce n'est pas une chose qui est encore là. Donc l'idée que soit... On ne retrouve pas, ce que j'ai montré tout à l'heure, euh, l'atmosphère euh, de Gabriel Destré et sa sœur hein, euh, dans, dans l'école de Fontainebleau. Ça n'y est ça plus, cet aspect-là, cet endroit où on va rester longtemps. Euh... Voilà. Donc ça, c'est au Louvre. Vous pouvez voir ça. C'est donc ce fameux maniérisme français. Donc on est à l'article. On est vraiment à la fin du XVIe siècle. Que nous dit donc que c'était Fiorella Minervino qui doit être, je suppose, la spécialiste de Degas en Italie. En tout cas, dans les années 80, elle l'été, puisque il dit que c'est, il dit d'elle qu'elle fait son classement de l'œuvre complète, l'opera completa di Degas. Donc elle fait ça en Italie. Début de l'eau courante, oui. Enfin, pour les bourgeois, évidemment, tu peux t'en douter hors bord. Mais il en a été, oui, il en est question. Il y a déjà des salles de bain équipées euh, d'eau courante, hein, dans les, des maisons un peu chic. Dans son classement de l'œuvre complète, l'opéra complète dit Degas Répertorie les pastels de nu exécutés entre les années 1878 et 1890 sous les numéros 867 à 957 et 990 à 1054. Donc 990 à 1054, ça fait quand même 64 pastels. 867 à 957, on est sur du 90 là. Donc euh, ça fait 154 pastels, si je ne me trompe pas, de femmes au bain. C'est assez fou. Lorsque Degas montre un certain nombre de ses pastels lors de la dernière exposition des peintres impressionnistes, en 1886, Huismans dénonça chez lui cet accent particulier de mépris et de haine à l'égard du corps féminin, que j'ai du mal à voir dans ce que nous sommes en train de regarder. Euh, je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça n'empêche pas de lire Huismans euh, dans ses salons et n'imaginez pas pour autant que n'aime pas la peinture de Degas. Je dirais que Huismans est d'un... Un des premiers intellectuels du 19e à avoir su voir la grandeur de la peinture et même de la sculpture de Degas, qui est plus compliqué. Et euh, parmi les plus beaux textes des découvreurs de Degas, il y a ceux Deuismans, dont je vous conseille vivement la lecture, qui ont été rassemblés dans un bouquin euh, publié au, chez 10-18, or peut-être qu'il existe aussi sous d'autres formes, ça j'en sais rien, qui s'appelle Certains au pluriel. Et euh, ce sont des salons, dans la grande tradition des récits de salon. Et euh, ceux qui sont, enfin, les passages consacrés à Degas sont prodigieux. Et par ailleurs, les passages consacrés à la peinture que Huysmans euh, ne peut pas blairer sont prodigieux aussi de méchanceté et de brutalité. Et putain, ça fait du bien de lire ça, euh, cette capacité à, à, à clouer au pilori euh, l'adversaire avec des phrases vraiment assassines. Il est très doué pour ça, Huysmans. Comme dans ces tableaux intérieurs de danseuses, ces femmes qui se savonnent, se lavent, s'essuient ou se pomponnent sont saisies dans l'instant où un geste difficile à atteindre, où un geste pardon, difficile à atteint un équilibre instable. Alors ce n'est pas remarquable dans celui qu'on est en train de regarder, mais euh, c'est vrai que c'est souvent le cas. Regardez dans celui-là, par exemple, c'est très remarquable. Quoi. On sent, notamment parce qu'on est au bain, donc on sait que le tub est glissant. On sait... Euh, on sait que cette position-là est, est fatigante et on sait que le geste de cette main qui tord le chignon pour, pour l'étreindre est coûteux. Donc on est dans un moment de tension. Or la peinture elle-même, comme chose, euh, comme immobilité prise dans le temps, est tout le contraire. Donc évidemment, euh, le, le, ce sentiment de basculement, de vacillement, de, de déséquilibre potentiel des forces en présence est renforcé évidemment par l'espèce de jeu d'équilibre du plan. À droite, sur lequel sont posés des objets qui sont déjà en chute, d'une certaine façon, puisque Degas a transformé une partie de son tableau en une espèce de pan euh, abstractisant, en, avec une vraie zone de flottaison. Il a fait une lumière zénithale pour éviter d'avoir à faire des ombres portées à ces objets. Et on peut dire qu'il y a quelque chose de la gravitation qui a déjà disparu et qui amorce euh, la, la perte, la, la chute. De, qui est là en substance, qui ne demande qu'à passer en acte, euh, à gauche, dans ce corps-là. Tout, tout joue sur la torsion de ce déséquilibre puissant et euh, des forces qui menacent le renversement. C'est assez, assez extraordinaire. Chez Degas, une nouvelle relation s'élabore entre le nu et son cadre. Alors que Rembrandt, alors ça je voulais trouver aussi, parce que je pense à tout. Ah, ah non, alors allez, un dernier petit de gars là, quand on parle des déséquilibre, regardez ça. C'est tout à fait extravagant, quand même. C'est. Je vous noterai que sur la, la plus de la centaine, je n'ai pas aidé rechercher 3000. Hein. On ne peut pas mieux saisir en tout cas que dans cet enchaînement d'images, euh, que dans cet enchaînement, ce qui était dit là à l'instant, sur euh, la capacité finalement de faire une sorte de continuum de l'activité du bain euh, dans ce grand dépliement de pastel. Euh. Et notamment là aussi, on voit bien l'espèce de précarité hein, dans la tension. Les débuts du yoga en Occident aussi, bonsoir. Ce qui n'est pas faux, euh, conjoncturellement, c'est vrai également. Oui, nous sommes en pleine période d'adulation de, des Indes et de l'Orient en ce moment-là. Tu as cru qu'il y avait trois jambes Ah, je vois. C'est vrai qu'il y, y a une très belle euh, harmonie de mouvement entre le, le bras droit et euh, la jambe gauche qui se soulignent l'un l'autre dans le très beau mouvement euh, qui est là, rue. Ouais. Là, on est au bord de, de la chute. C'est marrant, parce que je pense que quand il se dénonce chez lui un accent particulier de mépris et de haine, ce dont il parle, je pense, ça n'est pas. Euh, de ce que la peinture exalte comme relation euh, au corps euh, des femmes représentées. Mais bien des conditions picturales dans lesquelles il tient ces corps, qui, 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 dont on ne voit que ça sur ces tableaux. Et ça veut dire euh, que ce, cet accent particulier de mépris et de haine, c'est de voir à quel point Degas, euh, pour maintenir ses, euh, ses modèles dans ses positions, tient peu compte de leur souffrance physique et des efforts incroyables que leur coûte nécessairement hein, la tenue de telle, de telle position. Donc voilà le Rembrandt euh, dont il parle. Alors que Rembrandt place sa Suzanne dans un paysage en continuité, au point de vue spatial et émotionnel, avec les sentiments de la jeune femme surprise, donc là, vous voyez la jeune femme qui regarde vers nous. Alors c'est important parce que le... Enfin, qu'elle regarde vers nous, c'est vraiment... Important, Cette scène, parce que ce dont elle a besoin, à Suzanne, pour survivre à l'infamie, c'est un témoin, aussi curieux que ça paraisse. S'il n'y avait pas eu de témoin à cette scène, qui en l'occurrence, si je me souviens bien, est Daniel, le jeune prophète Daniel, mais ça on pourrait vérifier, vérifier si ça vous intéresse euh, euh, les détails de la storia du tableau, si elle n'a pas de témoin, elle sera victime de ces deux vieillards, parce qu'elle s'est soustrait à eux. Elle s'est refusée à eux, à ces deux vieux dégueulasses qui la surprennent au bain et qui évidemment euh, veulent abuser d'elle. Elle, elle s'y soustrait. Et évidemment, eux l'accusent, elle, de les avoir séduits, de s'être comportée comme une tentatrice et une pécheresse. Elle a besoin que quelqu'un vienne la défendre. Elle a besoin d'un témoin qui la croit et euh, qui vienne euh, le, au procès euh, à ses côtés. Et je crois que c'est euh, Daniel qui va... Euh... Bon, attendez, on peut chercher ça tout simplement pour en savoir un peu plus. Suzanne et les vieillards, c'est des souvenirs vieux pour moi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis le nez dans la première alliance, dans les textes vétérotestamentaires Alors, ça fait vraiment longtemps. Suzanne et les vieillards. Alors, Suzanne observée alors qu'elle prend son bain, refuse les propositions mayonnaise de ses deux vieux cons. Le prophète Daniel, encore adolescent, intervient et prouve son innocence. Il fait condamner les vieillards. Donc c'est bien ça. Voilà, c'est voilà, voilà, voilà. C'était bien le jeune prophète Daniel. Là. Donc que nous dit euh, la note? Alors que Rembrandt Place à Suzanne dans un paysage en continuité. Merci euh, Lion au curie. Lion au curie? <laughs> Merci, Lion au curie. Ça doit être très très beau, ça, Lyon au curie. Euh, pour ton follow, comme c'est gentil. Et comme la musique semble forte d'un seul coup, bonsoir à toi. Et je vais baisser un tout petit peu la musique. Sinon, elle va m'abasourdir, moi aussi. Alors que Rembrandt place à Suzanne dans un paysage en continuité au point de vue spatial et émotionnel, avec les sentiments de la jeune femme surprise. Donc là, vous avez compris l'enjeu de ce regard, tout entier vers nous. Nous sommes d'une certaine manière pris dans le, le foyer, le, le, la foquelle de Daniel. Quoi, nous, nous sommes le témoin euh, auquel elle pourra faire recours pour être euh, sauvée. Euh, bon, le tableau lui-même ne fait pas mystère par la tâche de lumière qu'il fait de ce corps et de la pénombre générale qui frappe tout le reste de l'innocence de ces jeunes femmes. Mais il lui faut un témoin. Et la lumière est placée de telle façon. C'est la grande intelligence de, euh, de Rembrandt qui fait souvent de la lumière, évidemment, une puissance constructrice, mais pas seulement une puissance constructrice et picturale, mais aussi une puissance morale. Il y a des de très très beaux exemples, notamment dans la scène aux Emmaüs. Mais euh, ce n'est pas le sujet du soir. Je sens que je vais trop digresser. Je ne vais pas vous faire une soirée sur vente maintenant. Euh, Qu'est-ce que je disais Et que Manet, par un renversement délibéré, assis sa nymphe devant un arrière-plan d'atelier. Alors, là, on peut regarder ça et je voulais trouver Voilà. Ça, c'est très drôle. Voilà ce que fait Manet, ce petit coquin. C'est intéressant parce qu'on a compris... Que l'argument du bain était un argument qui était une puissance d'innocentement. Manet, qui n'est pas la moitié d'un petit malin, a décidé de gérer autrement la puissance d'innocentement en en faisant, en riant d'elle. Vous comprenez Le corps nu féminin tire de l'argument du bain la possibilité d'être un corps nu visible par celui qui regarde le tableau sans. Euh, sans que pèse sur lui le soupçon de la concupiscence. Il y a une raison, si vous voulez, qui fonde le tableau à dénuder une femme. Salut Berdol, et bienvenue à bord. Bonsoir, bonsoir, merci encore pour ton don, c'est très gentil. Et donc, que fait cet arrière-plan Ce petit coquin d'arrière-plan. Cet arrière-plan est un arrière-plan de peinture. Ce qui veut dire que l'argument n'est qu'un argument, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une toilette morale. C'est juste un petit fichu moral. Et Manet le révèle dans son tableau. C'est une toile de fond qui est fausse, c'est-à-dire que Manet révèle le double fond de cette morale en montrant euh, un projet de bain qui n'est pas atteignable comme bain. Donc, d'une part, il, fait, il ramène la matérialité de l'atelier de façon très crue et très frontale ici, ce qui fait que la nudité de cette femme n'est offerte qu'au peintre et aux commanditaires et aux spectateurs. Elle n'a pas d'autre argument d'être peinte nue que d'être euh, femme d'un tableau figure d'un tableau et elle se pique en plus de euh, produire un grand trouble puisque évidemment elle-même est devenue femme de peinture et c'est tout un couloir comme ça de oui c'est un petit farceur ce Manet <laughs> un couloir de jeu c'est-à-dire que dans le vertige qui nous est offert à ce moment-là nous sommes quand même un petit peu euh, conviés à considérer que Puisque cette toile de fond est la tartufferie de cette femme peinte, alors c'est tout ce tableau qui est notre tartufferie. Vous comprenez ce qui se passe L'argument A met en trouble la présence B, qui devient l'argument B de notre trouble à nous, de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous masquer derrière l'argument de la peinture, nous sommes juste en train de vouloir regarder la nudité d'une femme. C'est ce que nous dit ce tableau. En tout cas, c'est ainsi que je le comprends. Cet arrière-plan de petit coquin. Alors que Rembrandt prend, pardon, place sa, sa Suzanne, donc, dans, vous voyez, dans cette lumière morale, là, 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 Dans un paysage en continuité au point de vue spatial et émotionnel avec les sentiments de la jeune femme surprise et que Manet, par un renversement délibéré, assied sa nymphe devant un arrière-plan d'atelier, donc en discontinuité avec elle, chez Degas le tub et la serviette, le savon et l'eau, quand ils entrent en contact avec la peau de la baigneuse, focalisent l'attention de cette dernière. Alors on va revoir, hein, on fait un petit tour de deux gars rapidement. C'est un manipulateur. <laughs> Excellent, Il aime bien ses nuits inattendues, on dirait comme avec le déjeuner sur l'herbe, non Oui, ou sur l'Olympia. Bien sûr, le déjeuner, l'Olympia joue sans cesse avec les limites de la réception de la peinture comme peinture. et... Euh, d'une manière générale, Manet aiguise la pyramide du regard pour trouver le tableau des conventions. Comment je parle, moi <laughs> Je fais des métaphores complètement. Excusez-moi. <laughs> ah je vous replonge un petit peu dans le gars et je vous présente mes excuses pour ces étranges métaphores. <laughs> Qu'est-ce que je disais Degas place dans le tableau le minimum indispensable d'objets pour indiquer que ce contact entre le nu et l'eau se produit dans la sphère domestique. La peau, décrite à grande touche, imite la surface de l'eau. C'est très remarquable là. là, on va regarder ça. Alors, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que là, il y a une interprétation un peu rapide. La peau n'imite pas la surface de l'eau. La peau, comment dire La peinture de la peau, plutôt le pastel de la peau, imite le pastel de l'eau. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les rapports d'imitation sont effectivement des jeux harmoniques, des jeux d'assonance. De, Mais c'est une configuration générale qui trouve sa cause ailleurs. Donc c'est important quand même de garder ça en tête. La peau peinte, imite l'eau peinte. C'est important de le rappeler parce que sinon on pourrait croire un peu trop rapidement à la puissance des métaphores là où elles n'ont pas lieu d'être. Ça n'est pas une image au sens fantastique du terme hein, et ça n'est pas non plus un procédé littéraire. C'est bien une réalité picturale qui effectivement distribue une certaine équité de fonctionnement plastique, une certaine égalité de fonctionnement graphique, mais cette réalité les prend tous les deux dans une vision particulière hein, qui, est, euh, qui est celle de la construction générale d'un regard autour du corps, de la lumière, de la peinture, etc. Les femmes qu'il peignait, confiait-il à Georges Moore, sont des gens simples, honnêtes, qui ne s'occupent de rien d'autre que de leurs occupations physiques. Les baigneuses de Degas sont aussi absorbées dans leurs soins de toilette que le peintre semble l'avoir été dans sa technique. Et c'est là où on revient à ce que je vous disais par rapport au jeu d'assonance la l'assonance euh, pinceau cheveux, l'assonance euh, euh, comment euh, euh, graisse euh, graisse granulation de la peinture euh, cellulite palette. Et là. L'absorption dans le soin de toilette crée une tension du regard. Moi, ça, par contre, ce n'est pas une propriété de la peinture de Degas. Toute l'histoire de la peinture hein, figurative est une histoire de. Euh, comment on pourrait dire ça C'est une histoire de tissage de regard, de regard peint destiné à impliquer dans une autre dimension que celle de l'extériorité totale le regard sur la peinture, donc, c'est-à-dire que depuis un moment, depuis au minimum le début de la renaissance, mais on peut trouver ça, il y a des prémices dans certaines figurations médiévales, même si bon, c'est une toute autre configuration. disons, pour faire court, les débuts de la renaissance, la question des regards entre les figures et ce qui nous permettent de construire pour notre propre regard, c'est central. C'est central souvent d'un point de vue rhétorique, comme les mains le seront énormément au XVIIe, dans la peinture de Champagne, mais c'est également central d'un point de vue expérimental, je veux dire, du point de vue de l'expérience du spectateur dans sa relation au tableau. Il y a la nécessité de conduire le regard à des. Euh, à des opérateurs privilégiés, qui peuvent être soit spatiaux, soit temporaires, produire par le regard des figures non seulement des points d'accès, mais aussi des points de pénétration, des points de reconfiguration, mais aussi des points de stabilité qui vont vous arrêter là plutôt que là, et euh, des fois des, des points euh, de construction oppositionnelle, où des regards qui se jouent là, des regards qui se jouent là, vont vous amener, vous, en tant que regardant, à devoir opérer. Une certaine manière euh, des découpes dans euh, votre traversée du tableau, c'est-à-dire comment produire par là, par les regards des figures des temporalités. Donc là, on pourrait dire que la série des tensions, tension au regard euh, du modèle, au regard de la femme peinte, objet du bain et la tension euh, de gars réalité physique matérielle de la peinture et la tension spectateur tableau l'idée c'est de trouver un nuage euh, qui est pas euh, un nuage d'analogie euh, on pourrait dire conceptuel non c'est vraiment une analogie de force quoi c'est trouver une tension au moins égale entre ces trois plans c'est ce qui semble être attendu de cette incroyable vigueur et vous devez ajouter à ça un indice on pourrait dire l'opérateur de toute cette tension, c'est la, la tension des points d'équilibre des corps au moment à des moments de basculement. Et là, c'est purement rhétorique, c'est-à-dire vous savez qu'un corps ça marche comme ça, c'est un corps figuré au moins assez bien pour que vous puissiez vous poser à, à propos d'un corps peint des questions que vous vous poseriez comme, à propos d'un corps non peint. À partir de là, vous, vous induisez une tension générale. Mais là, pour le coup, c'est une tension purement littéraire. C'est l'histoire que ça raconte, ce tableau. Ce n'est pas, pas la matérialité de la chose que vous regardez. C'est ce à quoi ça se réfère. Mais considérez que c'est l'espèce d'opérateur le plus immédiat, le plus simple. C'est celui qui, d'une certaine manière, va vous permettre de vous incorporer dans les autres tensions. Ça vous happe. Ça vous hop comme une certaine vérité du tableau, qui est une vérité qu'on pourrait dire effectivement plutôt littéraire, ce que le tableau raconte, en l'occurrence, ça ne raconte pas grand chose. Donc vous êtes vite happé, vite pris, vite immergé. Après, il s'agit de vous conduire plus loin dans, euh, dans cette espèce de vibration particulière de votre propre regard pour résonner euh, avec une autre tension, avec deux autres tensions. On pourrait dire euh, la... Euh, une tension figurale, celle qui va jouer entre, entre euh, l'histoire, donc la, la figure de l'histoire représentée, ce nu féminin et, et ses objets, les objets également peints. Donc on, on reste dans le cadre de cette petite historia, à ce près, c'est que là, tout ça n'est offert que par le regard. On a perdu, si vous voulez, euh, l'anecdote pour se concentrer uniquement sur des lignes de force qui justifient, si vous voulez, la construction du tableau. Et l'autre, Hein, C'est avec laquelle nous sommes amenés à euh, bonsoir Sus, bienvenue à toi, à faire l'épreuve d'une autre tension maximum, qui est une tension vraiment purement picturale pour le coup. Bon, J'espère que je suis clair. Sinon, euh, jetez-moi des cailloux virtuels. Je ne sais pas s'il existe des pierres comme émoticônes. Euh, Balancez-moi des emotes de cailloux. Voilà, je les aurais pas volés. Selon Eldon Van Leer dans Art Magazine. Dans la peinture française du XIXe siècle, l'image de la baigneuse fournit l'histoire dans l'histoire. C'est un moment de l'histoire de l'art, mais il s'accorde avec les grands thèmes de cette histoire. Donc là, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur les arguments. Et voilà pourquoi là, je vous amène à euh, Qu'est-ce que tu me jettes Tu me jettes des ratons laveurs. Marc, ceci dit, dans un, un sujet comme le bain, euh, pourquoi pas, Lyon-Curie <laughs> Jetez-moi des ratons laveurs. Euh, on peut les remplacer par des cœurs. Il n'en est pas question, C'est mal. On ne fait pas ça sur cette chaîne, comme tu le sais. Donc là, ce que vous voyez, c'est une fresque. Une fresque qui a été déposée. Elle n'est plus dans son endroit original. Alors, je ne sais pas pour quel lieu euh, Louini avait fait cette incroyable fresque. Il se trouve que lorsque vous rentrez à la... Alors, je crois qu'il est à Brera, donc euh, à Milan. Euh, musée que je ne saurais trop euh, vous conseiller d'aller voir, d'aller visiter, c'est un endroit exceptionnel. Euh, notamment parce que la peinture du nord de l'Italie est moins documentée en France que celle de, de la Toscane, de, de l'Ombrie ou de la Vénétie. On connaît par cœur en France, parce qu'il y en a dans toutes les collections, euh, la peinture de Florence et la peinture Venise. On connaît beaucoup trop mal, et c'est bien dommage, la peinture de Novares, la peinture de la Lombardie, euh, la peinture de l'Émilie-Romagne, et c'est vraiment très dommage, parce que c'est assez sublime. Donc, Louigny, c'est un, un suiveur de... De Léonard euh, de Vinci. Il a rien à lui envier, c'est un peintre de génie. Et ça, cette chose-là, c'est démesuré. Ce qui veut dire que quand vous rentrez euh, à la Brera et que vous passez devant ça, vous êtes à peu près à l'échelle et au niveau des baigneuses. Et c'est une sensation très étrange parce que ce n'est pas vraiment un plan de coupe, enfin, c'est quand même très audacieux. On est au XVIe siècle, il y a une vision de l'espace qui est quand même assez dingue. Il y a zéro argument mythologique dans ce passage. La Lombardie, c'est là où on a mal au dos. Ouais, c'est un endroit d'Italie où on souffre terriblement du dos. Et donc, vous êtes dans un lieu de partage, quoi. C'est-à-dire, vous vous partagez cet espace comme euh... Comme si vous étiez vous-même hein, au bain avec elle, vous êtes pris à la même échelle, vous êtes pris à la bonne hauteur pour ça. C'est vraiment une sensation très, très étrange. C'est assez fascinant. Or, on repart dans le texte de Illich. L'enchevêtrement de l'eau urbaine et du nu constitue un défilé d'un tabou tissé pour empêcher l'analyse de l'emploi de l'eau municipale. Nous pouvons par exemple débattre tout à fait publiquement du choix de l'architecte qui embellira la substance coulant dans les canalisations de Dallas. Nous sommes libres de critiquer la façon dont il l'exhibera, la fera danser ou scintiller. La beauté naturelle de l'eau elle-même, parce que nous savons même si nous ne tolérons pas d'en faire l'aveu que cette matière est le produit épuré de ce qui disparaît dans les toilettes. On se sent comme un poisson dans l'eau. Et nous mettre direct dans le bain. <laughs> Exactement. À force de ramasser des savonnettes dans des tubs. C'est pour ça qu'on a mal au dos. Je crois que vous êtes en pleine forme ce soir. Donc c'est assez intéressant parce que le, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on parle de tout euh, quand on parle de ce lac à... à en plein cœur de Dallas, on parle de toute sa puissance à, à, à reconstituer la force des grandes métaphores euh, et aussi à, à faire des, des fontaines, la façon de la mettre en, mettre en spectacle, l'eau dans la ville. Et... Mais ce dont il n'est pas question jamais, c'est de l'usage de l'eau. Alors, l'historicité de la matière. Qu'en est-il de la beauté intrinsèque de H2O? Pour apporter son concours au débat sur le projet du lac, le Dallas Institute of Humanities and Culture nous a invités à nous pencher sur l'eau et les rêves, dans la mesure où ils contribuent à faire fonctionner la ville. L'eau et les rêves, on aura reconnu là le titre de l'œuvre de Gaston Bachelard. Il y a plus de 40 ans. Donc le bouquin sort là euh, en 1984, le bouquin de, de Illich, hein, et euh, donc le bouquin L'eau et les rêves de Bachelard, il sort euh, donc 40 ans, euh, 40 ans avant. Alors Gaston euh, Bachelard, je suppose que vous voyez à peu près qui c'est, hein, c'est euh, un, un des représentants euh, de l'école d'épistémologie historique. Voilà c'est un épistémologue et euh, moi je l'ai rencontré son nom les premières fois à propos de euh, comment, de la dissection la vivisection et, euh, et c'est la première fois que j'ai rencontré chez Bachelard la notion d'obstacle épistémologique. C'était vraiment assez intéressant. Et il a écrit sur toutes sortes de choses parce qu'il a, il a une approche philosophique tout à fait personnelle, tout à fait singulière. Il s'intéresse beaucoup aux objets littéraires. C'était un amateur d'art et de littérature. Donc il a des approches assez, assez fascinantes, j'ose dire. Euh, voilà, donc il, a, il est à, à mi-chemin euh, dans le travail entre euh, la littérature et la science. Voilà. C'est dingue comme 20 minutes d'écoute de cette chaîne rendent dérisoire les 8 années d'histoire de l'art que j'ai du mal à me farcir à l'école et à l'académie avec des proches méga chiants. Mais rien n'est moins chiant l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui pourrait être plus passionnant et plus renversant Moi, ça m'est arrivé d'aller donner, j'étais parti chez des camarades euh, à Tarnac donner une conférence sur la mort et les iconographies de la mort. Donc on parle de plein de trucs ensemble, je fais une petite conférence, dans deux fois trois heures sur les iconographies de la mort. Donc c'était la version courte de ce que vous avez pu traverser ici avec moi et a 10. Et euh, c'était drôle d'avoir une conversation après, parce que, bon, dans pas mal de milieux de gauche, euh, notamment euh, les milieux totaux, ou milieux de gauche communiste, bon, le, le regard sur, euh, sur l'art, les musées, les institutions artistiques est quand même pas très favorable. Et ce qui était très, très marrant, c'était euh, de, de voir... Euh, à quel point mes, mes camarades étaient surprises de voir mon enthousiasme à parler des musées et ça les rendait très perplexes parce que très visiblement j'étais frétillant, heureux, je parlais de choses que j'avais découvertes dans les églises et les musées et ça, ça c'est comme s'il y avait une espèce de, de ski avec leur expérience des choses, leur vision de ces espaces, leur horreur des musées, comme si quelque chose buguait quoi entre ma joie et non feinte et euh, et puis euh, leur Connaissance du musée, leur la réalité qui était à l'heure euh, du musée. Voilà, voilà. Alors, ba Bachelard détestait l'art, je ne sais pas, moi je le connais vraiment sur des, des questions très littéraires. Donc, euh, je ne sais pas quel est son rapport aux autres arts que la littérature, mais il ne détestait pas l'art littéraire en tout cas. Voilà. Euh, je crois qu'il détestait pas non plus l'art euh, cinématographique dans mes souvenirs. Qu'est-ce que je disais comme connerie L'eau et les rêves, l'œuvre de Bachelard. Dans cet essai, le philosophe analyse les images que nous nous faisons de la substance, dite eau, cette matière dotée d'une forme par notre imagination. Je poursuivrai donc dans la voie explorée par Bachelard, qui distingue la matière de sa forme en examinant le lien que crée l'imagination entre deux sortes de réalités concourant à faire une ville l'espace urbain. Et l'eau municipale. Le mariage entre l'eau et l'espace peut s'explorer au moins à deux niveaux. Le premier, c'est celui de la forme. À ce niveau-là, la comparaison se centre sur les caractéristiques esthétiques que l'imagination d'une époque a conférées à l'eau et à l'espace de la ville. Euh alors, euh, par exemple, je vous ai amené une image d'un endroit que je vous encourage à aller visiter. Ah, c'est con parce que j'ai des dizaines et des dizaines de photos de ça et je n'ai pas pris le bon disque dur. Donc là, j'ai bêtement été chercher une photo en ligne de la Villa d'Est. Euh... Ah mais c'est pas la Villa d'Est, ça c'est la Villa Farnese. Je suis con moi. <laughs> ah merde ah ben bah c'est pas grave, moi, moi je voulais vous montrer la Villa d'Est à Tivoli et je suis en train de vous montrer la Villa Farnese à Rome. Farnes mais écoutez c'est pas grave, c'est à peu près la même période, bon en mal an, c'est du maniérisme tardif. <laughs> je suis à l'ouest, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais vous parler avec enthousiasme de la Villa d'Est, mais ça sert à rien je vous parle avec enthousiasme de la Villa d'Est en regardant une fontaine qui très visiblement est la fontaine de la loggia euh, euh, d'Hercule, euh, donc à la Villa Farnese. Donc, la ville d'Est n'est pas en Pologne, je suis allé à Civoli, où il y a également la Villa Adriana, qui est l'incroyable ville euh, polyphonique que, que, que l'empereur Adrien a fait construire euh, sur la base de ses retours de voyage et ses retours de conquête, surtout. Donc, ça, je voulais vous montrer un exemple de maniérisme tardif. Euh, donc, maniérisme tardif, vous voyez où c'est, c'est vraiment la, la fin du XVIe, c'est l'excroissance la plus tumultueuse de la renaissance italienne. Donc, euh, pas, euh, ce serait une erreur hein, de, de rapprocher euh, les constructions maniéristes du baroque. On le fait souvent, mais il ne faut pas. Ça n'a rien à voir. Hein, L'art de la contre-réforme et euh, l'extension extrêmement savante que le maniérisme italien va prendre à la fin du XVIe siècle, ce sont deux mondes, deux façons de penser euh, le monde et les formes qui sont différentes. Et il ne faut pas abuser d'analogies euh, à la con à, à base de euh, tension et de force. Ouais, c'est pas l'histoire de l'art que je trouve ennuyeuse, mais ceux qui l'enseignaient. Sur les sept profs que j'ai eu, il y en a qu'un qu un seul qui était humain, il fumait, il picolait, il dormait pendant les cours. Ah oui, ça faisait sans doute un prof sympa, mais on ne devait pas apprendre grand-chose, au moins un pas pendant qu'il dormait. Donc voilà, on a une représentation de l'onde intéressante. La place que prend euh, l'eau dans les constructions... Euh, euh, de, de villas, que ce soit Est ou, ou Farnese. Euh évidemment, va s'agencer dans un dialogue souvent avec l'antique, avec les mythes anadiomènes, donc avec la naissance de Vénus, enfin, tous tout ces, ces mythes qui font fleurir, je vous ai parlé des nymphes tout à l'heure, mais il y a les tritons, il y a tout un univers marin qui euh, excite beaucoup euh, l'imagination euh, des gens de la Renaissance euh, qui, sont, qui trouvent là non seulement un prétexte à faire foisonner leur goût pour l'antique, mais également à l'appétit qu'ils ont de certaines formes qui sont stimulantes. Pourquoi l'onde et le nuage euh, sur le nuage, bon, je vous ai déjà conseillé la lecture de la théorie du nuage de, de Damisch. mais l'onde et le nuage ont des rapports euh, de conformation-déformation, l'un qui échappe pleinement au, à la structure représentative de la perspective, c'est-à-dire indomesticable et renversant le nuage. Donc, la nuée, c'est cette espèce d'élément organique, si vous voulez, qui résiste à toutes les tentations de représentation de mettre l'intégralité du monde dans la commensurabilité. C'est cette petite touche d'incommensurable et de vivacité qui vient hanter le tableau, qui vient d'une certaine manière rendre modeste toute représentation. Et l'eau, c'est un peu le contraire tout en étant la même chose. C'est-à-dire, à la fois, euh, l'eau, c'est euh, cette image d'une indiscipline organique c'est-à-dire né de sa matière même, mais c'est aussi la conformation totale, c'est l'idée même d'un matériau auquel on fait tout faire. L'art des fontaines, euh, réelles ou peintes, c'est vraiment un art de la euh, domestication des forces vives de la nature. Donc c'est un dialogue particulier entre euh, la place centrale que l'on accorde euh, aux humains et euh, les forces de la nature avec lesquelles on dialogue et euh, que l'on conduit. <laughs> en plus, bon, là, euh, à cette période, il y a un caractère scientifique qui euh, excite les esprits. Euh, on utilise l'eau pour sa force même, pour faire tourner des roues à aube. C'est des choses que vous pouvez voir dans la peinture, la hein, peinture de Raphaël notamment. Euh, ah, je crois que j'ai un exemple là. Euh... Est-ce que c'est ça Mais... Ah, je cherche un truc. C'est con. J'aurais dû penser à ça avant, mais je ne pensais pas que j'allais vous parler de ça. Euh, où est-elle Ah, je trouve pas ce que je cherche. C'est con. Il y a un, aussi étonnant que ça paraisse, il y a une prémisse d'un certain modernisme chez, chez certains artistes, chez certains intellectuels italiens du XVIe. Mais bon, je ne trouve pas l'image, mais ça n'est pas très très grave. Euh, Qu'est-ce que je disais Donc euh, le loup a un statut très particulier dans l'histoire des arts et des représentations et des constructions humaines. C'est donc cette espèce de, de jeu dont je suis en train de vous parler, cette espèce de dialogue entre l'insaisissable et au contraire l'extrêmement conformable, le, le modul, modélisable à l'infini, une certaine idée euh, de maîtrise du monde. Quoi. Alors, qu'est-ce que je disais Comment ont-ils été perçus et représentés par une époque dans la poésie ou la peinture, la sculpture ou les rêves On se pose la question comment l'art baroque a-t-il employé et montré l'eau ça, l'art baroque, bon, je ne suis pas trop fait chier parce que j'ai n'ai pas été fouillé. Donc, j'ai un peu honte de vous montrer ça. C'est la, la fontaine de Trévis à Rome. Vous la connaissez par cœur. S'il y a bien une sculpture baroque jouant avec l'eau, vous connaissez, c'est la fontaine du Bernin à Rome. C'est d'autant plus con qu'il en a fait pas mal. Hein. Il y a énormément de, de fontaines qui traînent. Euh... Il y a tout un parcours baroque euh, faisable à Rome. Moi, je vous ai choisi le cliché typique de la, la fontaine baroque. Vous avez le droit de râler, je ne me suis pas trop foulé le cul sur celle-là, mais euh, ce n'est pas un aspect sur lequel j'avais envie de m'étendre, j'ai l'impression que, que c'est quand même un aspect très connu, le, le plaisir de jouer à enfin, le, les, les fontaines baroques. Ce n'est pas le domaine qui sera le plus mystérieux de ce soir. Comment l'art baroque a-t-il employé et l'eau C'était la question, et non pas qu'était l'eau pour la mentalité de l'époque C'est pas la question qu'on pose. Alors, à titre personnel... Je m'oppose plutôt en histoire à la notion de mentalité, donc je ne vois pas très bien ce qu'on peut en foutre. Salut à toi maman, un peu de Fellini c'est ça Ah bah oui. évidemment, évidemment pour toi ça évoque surtout le cinéma. Je ne pensais pas à ça, mais oui c'est vrai. Cette fontaine a été également rendue très célèbre par la Dolce Vita. Euh, J'avais oublié ce petit détail, mais ma mère très férue de cinéma italien n'a pas manqué. De me le rappeler. Euh, Qu'est-ce que je disais comme connerie. Ouais, j'accorde pas beaucoup de poids à la notion de mentalité. Je la trouve particulièrement douteuse. Si la question vous intéresse, on pourra ensemble lire des textes de Lloyd, qui était un ami et élève de Moses Finley. Donc, parmi les grands, grands historiens de l'Antiquité, de l'école anglo-saxonne, et euh, qui a écrit un bouquin sur les mentalités. Et sinon, il y a un très joli texte de Jean Virs qui s'appelle Pour en finir avec les mentalités. Les mentalités ne nous aident pas à penser parce que qu'elles replie une période sur elle-même en produisant euh, une idée euh, assez néfaste, non seulement euh, une espèce d'idiosyncrasie fermée, mais aussi euh, d'un manque de porosité d'un certain état d'une société à tous les autres états. Et euh, c'est plus problématique qu'utile. Donc moi, pour ma part, ça me... Ouais, pour en finir avec les mentalités, Hubert très joli texte de Jean Virst. Euh... Merci, Jérémy B, pour euh, ton follow. Alors, je te mets ça, Jean Virst. Je pense que le texte de Jean Vierce, pour en finir avec les mentalités, on peut trouver ça en, en ligne. Et si euh, je le trouve pas, je vous le lirai, en ce cas, parce que c'est un excellent texte. Je crois qu'il a été publié euh, également en recueil dans Sainte-Anne est une sorcière un bouquin publié aux éditions Drouze, édition suisse assez remarquable. Euh, c'est quoi les mentalités Alors, les mentalités, c'est une idée qui va être développée euh, euh, notamment euh, beaucoup autour de, de Le Goff et son entourage, hein. euh, mais c'est plus ancien que ça. Salut à toi euh, pinaise idiosyncrasie tout ça Oui, on n'est pas obligé on peut aussi <laughs> bienvenue à poca Pocacapitali... P... capitalisme euh, on pourrait dire que c'est l'idée que une époque se condense dans un certain nombre d'habitus qui limite les possibilités pour un certain nombre d'activités de fêtes de propositions d'y apparaître mais elle est complètement autotélique, c'est-à-dire elle se désigne elle-même, si vous voulez. Dès l'instant où vous avez plus ou moins dessiné la question de la, la mentalité, euh, vous êtes foutu, parce que... Euh... L'exemple que prend Vire dit est très bête mais très drôle et suffisant. On c'est pas parce que tout le monde paye ses impôts en France qu'on a une mentalité fiscale. Ça ne nous sert pas à penser non seulement l'infinie variété des choses euh, qui constituent les faits sociaux, mais en plus euh, ça oriente très dangereusement le regard vers du possible et de l'impossible. C'est bien parce que euh, Fèvre et ses contemporains étaient incapables d'accepter dans l'idée qu'ils se faisaient de la mentalité. <laughs> Salut, euh, merci pour le follow à Popo. Kaka apoca mais maintenant je ne peux pas arriver à m'en sortir. De et parce que Fèvre et ses, euh, ses amis, dans leur lecture, de, enfin dans leur construction du personnage de Martin Luther et leur construction de la réforme, étaient incapables d'accepter l'idée qu'il y ait eu dans la mentalité du XVIe siècle une possibilité athéiste, qu'ils passent à côté de beaucoup de faits, de textes, de propositions euh, des libertins spirituels, qu'ils comprennent mal qui ils sont et qu'ils comprennent mal. Euh, comment on pourrait dire, qu'une ville n'est pas un ensemble de signes, une cité n'est pas un ensemble de signes, euh, et euh, le mode humain des relations n'est pas le mode de la communication, c'est-à-dire n'est pas un réseau finissable euh, d'intensité. De ce point de vue, il est vraiment nécessaire de reculer un peu, même si ça a été utile, c'est-à-dire clairement l'histoire des mentalités, elle apparaît à un moment, elle apparaît à un moment où avec l'école des annales, avec d'autres écoles historiques, on va essayer de faire tomber euh, l'histoire des grands récits les mythes nationaux, l'histoire pui enfin, des puissants, les guerres, etc. pour aller avec, équiper des sciences humaines et sociales naissantes, aller dans les textes du quotidien, dans euh, l'organisation du quotidien, dans les archives euh, comment, municipales et travailler sur les petits textes, etc. On va réinjecter, on va injecter de l'anthropologie euh, dans l'histoire, notamment dans l'histoire de l'art, par exemple. Euh, C'était absolument nécessaire. Mais l'idée à partir de là, c'est de construire des figures, c'est ce qui va vraiment s'en dessiner, qui sont très problématiques, comme l'homme du Moyen Âge. Merde, il n'existe pas plus d'hommes du Moyen Âge, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe quelque chose comme l'homme du Moyen Âge, avec sa façon de penser, sa façon de marcher, sa façon de pisser, qu'il n'existe d'homme du XXe siècle. C'est stupide. Il n'y a pas un humain du XXe siècle, là, en France, qui serait... Euh, Homogène, homothétique en lui-même de son corps à toutes les euh, corporéités sociales qui lui sont contemporaines. C'est idiot, vous vous rendez bien compte à quel point c'est aberrant. Il n'y a pas un siècle abaissé au-dessous de toute pluralité par rapport aux autres siècles. Il n'y a aucune raison au monde d'imaginer des siècles d'homogénéité, de pureté euh, homogène à un moment plutôt qu'à un autre. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, gardons-nous bien, à mon avis, franchement, de souffrir un peu trop à cette notion de mentalité historique. Je pense qu'elle est plus qu'emmerdante. Alors évidemment, si vous voulez euh, vous mieux approcher certaines questions, il y a un bouquin par exemple qui s'appelle, euh, je crois que c'est l'avenue Moyen Âge, euh, qui est un, une espèce d'assemblage de petits récits de, de collaborateurs de Le Goff. Je pense que c'est un bon exemple des limites de cet exercice. Quoi. Ça ne veut pas dire que ces gens ne produisent pas de bonne histoire. Enfin, le, le travail de Le Goff sur le purgatoire, c'est fondamental. Mais il y a au moins quelques concepts dont on peut se dire qu'il serait assez bon de les pousser du balai sous le tapis. Alors, il faudrait faire l'histoire des ultra-minoritaires pour prétendre avoir une connaissance infime du passé. Je crois qu'il faut faire l'histoire de toutes les tensions, comme Pig, dès qu'elles nous apparaissent. C'est-à-dire toutes les probabilités de dissension qui sont le caractère euh, anthropologique de base, et notamment en histoire de l'art je crois qu'on est invité par l'histoire de l'art à accepter assez vite, quand on voit ce que sont les productions artistiques, dès, la, dès lors où elles se définissent, elles se dégagent elles-mêmes comme possibilité de renversement, et c'est assez tôt, hein, franchement, dès le Moyen-Âge, il y a des propositions qui vont vers là, et qui nous sont euh, très compréhensibles euh, à nous, humains euh, du 21e siècle. Et euh, dès l'instant où c'est de cette façon que s'affirme euh, cette discipline, par exemple, c'est un lieu où on est invité à être plus que jamais prudent avec l'idée d'une mentalité qui rendrait possible ou impossible telle ou telle façon de faire. Puisque précisément, ce que produit euh, l'œuvre d'art, c'est euh, un renversement de euh, l'assurance d'un siècle. Et ça, ce n'est pas une chose neuve. Alors, on en reparlera quand on refera les, ensemble les lectures d'Adorno. Donc, très bientôt, on va reprendre ça. J'espère qu'on fera ça avec Andalis. Ça fait un moment que, que je lui casse les pieds pour qu'on se fasse ça ensemble. Mais chez Adorno, cette question, elle, elle revient euh, à la charge et elle pose euh, les mêmes problèmes. Adorno a une, des manières euh, qui lui sont propres de, de répondre à ces questions. Et notamment, lui, il en parle. Alors, évidemment, le problème d'Adorno, c'est qu'il échappe au maximum à la question de la création, comme processus d'individuation, puisqu'il intéresse et depuis les œuvres repartir, ce qui est plutôt une bonne idée, mais en écartant au maximum les principes d'individualité qui y travaillent. Et à mon avis, c'est très risqué. Mais toujours est-il qu'il parle de l'œuvre d'art comme d'une cristallisation, non pas d'un siècle tel qu'il se rêve en tant qu'affirmation de lui-même. On pourrait dire que chaque décennie est l'instrument de propagande de la décennie qu'elle est, c'est-à-dire chaque décennie fait de son dernier état un état de nature qu'elle aimerait bien défendre comme le seul état possible et congruent de sa réalité matérielle et euh, fantasmatique. La vérité, c'est que... Tout, tout lui échappe et que les œuvres font advenir et rendent sensibles des choses que toute décennie voudrait bien cacher, justement. Les, les, euh, Qu'il y a de la symptomatologie aussi dans les œuvres de toute une société qui ne se produit pas complètement. C'est-à-dire aucune société ne, ne s'achève dans son temps. D'ailleurs, aucune société ne s'achève. En vérité, l'histoire est un continuum, donc il n'y a pas d'achèvement. Et rien que de ce point de vue, il est difficile d'imaginer qu'une société puisse émettre des euh, caractères de mentalité lisibles, chiffrables, etc. Et encore moins dans ses œuvres d'art. Alors, tu as mis des cœurs sur Ivan Ilitch. il a été modéré. <laughs> Sache-le, apocapitalisme, on ne peut pas mettre de cœur sur cette chaîne. C'est interdit. Le cœur, c'est le mal. Trop de glucose tue. On ne met pas de cœur ici. Hors bord, deux gars au courant, technique, femme, peinture, technique, non assujettie, au rembrandt, déplacement, médium, média, point d'émancipation. Ça y est, il est parti en couille. <laughs> On a perdu pig Non, j'essaie de ne pas vous... Oui, je sais, su, tu as trouvé un moyen de, con... de, de contrarier euh, cet interdit. Mais euh, je, je saurai me venger un jour. Je ne sais pas comment tu y es parvenu. C'est moi qui ai merdé, euh, je pense, à un certain moment. Mais j'y arriverai. J'arriverai à rendre impossible ça. Alors, qu'est-ce qui a été bloqué Alors, Je ne sais pas si ton message a été bloqué par ailleurs. Alors, on peut mettre des cerveaux à la place des cœurs. Oui, on a le droit. On a complètement le droit de mettre des cerveaux à la place des cœurs. Qu'est-ce que je disais comme connerie Juste avant. Donc voilà, c'est ça. On ne pose pas la, On se pose la question comment l'art baroque a-t-il employé et montré l'eau Et non pas qu'était l'eau pour la mentalité de l'époque Donc, ce petit, cette petite digression, juste pour prendre des distances avec la notion de mentalité. À ce premier niveau, l'eau en soi n'a pas d'histoire. Puisque au commencement était la terre, et la terre était vague et vide. L'eau était H2O. Selon cette hypothèse, partout dans le monde, les récits de la création parlent de la même matière, celle-ci étant en elle-même anhistorique. Alors, ça, ça dépend hein, si vous parlez avec des homéopathes ou <laughs> avec euh, euh, les, euh, les émules de, de Benvenis. Je ne parle pas du linguiste, hein, je parle de l'eau Zozo. Vous pensez que l'eau n'est pas du tout anhistorique, vous pensez qu'au contraire, elle a une mémoire. Ce n'est pas ainsi que je me propose d'étudier l'eau. Pas plus d'ailleurs. L'espace ou le lien imaginaire qui les unit. Alors là, il y a une petite note là-dessus. Selon Glacken, euh, je ne sais pas qui est Glacken, je n'ai pas cherché. Euh, on peut chercher d'ailleurs, c'est bien de savoir de qui on parle. Euh, qui es-tu, Glacken Alors, ça s'écrit -E G-L-A-C-K-E-N. Qui es-tu, Glacken Clarence Glacken. Était professeur de géographie à l'Université de Californie à Berkeley. Voilà, connu pour un opus magnum de 1967, Traces on the Oregon and Shore. Ah, je crois que c'est à ça euh, que fait allusion euh, justement Ivan euh, Illicham, qui montrait comment les perceptions de l'environnement naturel façonnaient le cours des événements humains au cours des millénaires. Intéressant. Alors, selon Glacken, Traces on the Oregon and Shore, les idées que 1. Les eaux, les airs et les lieux sont conçus par le créateur pour l'homme. Et petit 2, que elles correspondent à chaque culture et codéterminent sa singularité historique, ont dominé toutes les sociétés pré-industrielles. Donc selon laquelle, hein, cette espèce de, de premier mouvement, cette ontologie des, de la matière, quoi, euh, qui assemble dans un grand mouvement créateur euh, O, R et lieu euh, correspondent à, euh, à la création de chaque singularité euh, historique. C'est constitue, si vous voulez, le, le premier fait de construction euh, historique qui va déterminer les déformes sociales qui en découlent. À la fin du XVIIe siècle, l'homme commence à être considéré comme un agent géographique. Et ce n'est qu'au... Alors, à la fin du XVIIe, je dirais un peu avant, hein, je crois que l'idée d'un renversement de la nature, bah, quand je vous parle de l'eau, par exemple, telle qu'elle est euh, détournée, contournée, reformée, reformulée par euh, les, euh, les architectes et les urbanistes de la Renaissance, euh, on est déjà dans, dans ça. Les jardins de la Renaissance sont des jardins qui fantasment déjà énormément le, le, la reformulation de, de l'espace, dit nature, pour ce que ça veut dire au XVIe siècle, ça a encore une autre histoire. Mais oui, effectivement, le, la, construction de, la reconstitution du paysage, euh, comme étant possiblement complètement à revoir et à reconstruire par l'humain, comme étant la matière même à, donc à une échelle démesurée euh, de l'activité humaine, elle est, euh, elle est largement en marche. Elle peut trouver des formes complètement ahurissantes chez certains... Euh, incroyable créateur de jardin anglais, je pense à Lancelot, Lancelot Capacity Brown. Je ne sais pas si vous connaissez Lancelot Capacity Brown dans le chat, mais si vous ne connaissez pas, je peux vous en parler. C'est un cas assez intéressant de créateur de jardin. Alors, euh, à la fin du 17e, l'homme commence à être considéré comme un agent géographique. Il va l'être de plus en plus avec l'ère industrielle, puisqu'il va fourrer, miner, enfin, il va complètement restructurer la nature. Je ne sais pas combien il y a de forêts euh, originaires autour de nous. En Europe, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Elles sont toutes des créations humaines, ou presque. Et ce n'est qu'au XXe siècle finissant que la perception sociale du paysage, par une époque donnée, est comprise comme une force sociale qui non seulement reflète le style de la société, mais renforce et infléchit son sens de la réalité. Enfin, ça, c'est des choses qu'on a pu, euh, qu'on qu peut comprendre hein, quand on va, euh, quand on va euh, se balader euh, bah, en Toscane. C'est assez clair. Enfin, le, le dialogue entre la peinture toscane euh, de la Renaissance et le paysage dans lequel la Renaissance s'est complètement réinventée, c'est assez stupéfiant. On finirait par croire que ces tableaux qui se souciaient comme d'une guigne de représenter quelque nature que ce soit, ce n'était pas du tout leur objet, étaient en fait des tableaux naturalistes tellement euh, la Toscane a été reconfigurée pour euh, ressembler, enfin, enfin pour euh, comment dire, pour abonder dans cette direction, dans cette vision, dans cette configuration imaginaire. Qu'est-ce que je disais Au départ, je me refuse à postuler que toutes les eaux peuvent être ramenées à du H2O. Je ne traiterai pas de l'espace urbain comme s'il pouvait être universellement défini en termes de coordonnées cartésiennes ou de critères de recensement. Car non seulement la façon dont une époque traite l'espace et l'eau a une histoire, mais les substances auxquelles l'imagination donne forme et donc signification, sont elles-mêmes, dans une certaine mesure, des créations sociales. Qu'est-ce que tu dis, Berdol C'est un peu anthropocentré. Les animaux, ceux que nous ne sommes pas, restructurent aussi la nature. Oui, mais ils ne la restructurent pas au nom d'une vision, Berdol. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est euh, clairement euh, tout ce dont on parle là. C'est vraiment d'une domestication euh, à une autre échelle en fait de des forces, d'une certaine idée de ce qu'elles sont, et d'un rapport assez curieux qui est à la fois un rapport euh, dévotionnel. Enfin, la, la nature étant une création supposée de Dieu, euh, c'est aussi en tant que telle qu'elle est regardée. Donc, euh, ça veut dire que son régime légal euh, est aussi regardé comme un régime euh, un, un régime euh, divin. Il y a une sorte de consubstantialité problématique entre euh, ce qui régit l'ordre de la nature et ce qui est la cause supposée originaire du monde. Et donc, le dialogue des humains en termes de force, euh, de force sous-jacente de la nature, sans cesse reconduite par les lois ou euh, de force originaire, donc euh, là, voilà, pour le coup, transcendantalement émise au moment de la création euh, par Dieu, ce dialogue, il est toujours tendu entre. Euh, un rapport euh, de distance euh, dévotionnelle. Et euh, bienvenue à toi, Fantôme Mathieu, et bienvenue à bord, merci pour le follow. Cette distance dévotionnelle et l'emprise matérielle que malgré tout on infléchit au monde des choses. C'est-à-dire en reconfigurant ces forces, en les détournant de leur cours, soit pour euh, emprunter euh, cette force à des fins techniques, à l'eau du moulin à eau, ou des choses comme ça, soit pour construire des jardins et faire mieux que la nature, d'une certaine façon. C'est ce que Lancelot Capacity Brown imagine de faire. Euh, ou, mais bon, c'est le 18e siècle, mais euh, auparavant, il euh, y a une telle. Euh, comment dire il y a une telle superposition métaphorique entre le monde comme cadre de la connaissance et cadre d'effectuation de, de la puissance divine et les, le cheminement de l'intellect dans les jardins de la pensée que toute une vision encyclopédiste va se construire autour de l'image du jardin de la connaissance. C'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois un rapport de force force constructive, puissance intellective et et euh, puissance euh, formatrice du monde. Et il y a aussi un côté topographique, c'est-à-dire organisation du monde des choses, organisation des objets de la connaissance, euh, langage de la raison, euh, calqué sur l'idée d'un langage originel de Dieu et euh, organisation rationnelle du monde des choses qu'on pourrait appeler une sorte de finalisme. Hein, pendant longtemps, ça a été la règle, c'est-à-dire que les choses avaient cette forme, le monde des les choses avaient cette forme, prenaient cette force pour une bonne raison, en allant quelque part. Et c'est ce que fait la pensée. Elle cherche quelque chose, elle va des causes jusqu'aux effets, ou depuis les effets jusqu'aux causes, mais avec une vision finaliste, en tout cas dans le monde dont je vous parle, hein, dans, dans ce monde-là euh, d'avant de, de, le XXe siècle, euh, dans, dans les configurations euh, intellectuelles et historiques dont on parle. Donc là, il ne s'agit pas, si tu veux, d'être anthropocentré. Euh, ça n'a pas de sens. C'est euh, évidemment. Si tu veux, Berdol, puisque c'est de ça dont nous parlons, tu vois. <laughs> alors, alors euh, en effet, jusqu'à preuve du contraire, qui sait, dans X dizaines d'années, l'éthologie nous apprendra des choses qui nous paraissent improbables actuellement. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est vrai que l'éthologie contemporaine nous apprend... Pas mal de trucs depuis qu'on a injecté l'umwelt dans l'approche des animaux je dois dire que pas mal de choses ont été bousculées oui, dans notre façon de considérer les bêtes peut-être qu'elles ont un plan <laughs> un grand plan de construction etc bon jusqu'à preuve du contraire quand même les araignées de ma maison sont de très piètres architectes et je dois dire qu'elles ne font pas preuve de beaucoup beaucoup de ressourcement, de renversement et d'imagination. Elles euh, tendance à radoter leur fils, si tu vois ce que je veux dire. Car non seulement donc la façon dont une époque traite l'espace et l'eau a une histoire, mais les substances auxquelles l'imagination donne forme et donc signification explicite sont elles-mêmes dans une certaine mesure des créations sociales. que oui, l'eau détournée euh, du cours des sources. L'eau acheminée dans une ville ou traversant une fontaine est une création sociale d'un seul coup. Ce que je veux étudier, c'est l'historicité de la matière, le sens que l'imagination d'une époque donne à la toile sur laquelle elle peint ses imaginaires, au silence d'une salle dans laquelle elle projette sa musique, à l'espace qu'elle emplit de l'émanation, de ce qu'elle peut goûter ou humer. Alors là, en note 4, il cite du André Malraux. Oh C'est pas parce que t'as pas l'œil pour admirer leurs œuvres que c'est pas des œuvres. T'es outré dans ses propos. Cette... Euh, arrête, Suse On est en train de parler de Tégénère. Qui nous font des nids à merde, il faut bien le dire, qui sont tellement feignasses qu'elles vivent dans leur poussière et leur cochonnerie, qui sont juste capables de barbouiller de toile d'un épais tissu crasseux, à un pauvre bout dégueulasse abandonné euh, de cave, et qui sont là, tapis, dodus, à rien branler pendant des jours sous leur couche de poussière, ça ne les dérange pas du tout de vivre dans leur merde. Donc on parle des dégénères, feignasses, et des folus, mais qui sont nuls! Mais ils sont nuls, c'est de la merde en bas les trucs des fausses ça ressemble à rien du tout. C'est vraiment lamentable, c'est complètement migrelé, pendouillard, mal foutu. Alors ils vont en foutre partout parce que là, contrairement à la TGNR, ils, ils font pas des gros paquets énormes dans le même coin, mais il n'y a pas de quoi faire le malin. Alors autant les araignées du jardin, ça bosse, ça vous fait des trucs et vas-y, que je te fais. Mais alors, les araignées de la maison s'usent. Franchement, il bon, y a celles qui vivent dans des trous, il y a les petites Fiorentina, etc., qui font juste des petites capsules, ça va. Tu es, tu es une Tégénère, pardon. Ok, je ne dis plus rien. Je ne savais pas, Suze. <laughs> Salut, Louisa. Pardon, alors. Mais c'est pas du tout de l'anti-arénisme, il ne faut pas déconner. C'est quand même assez ciblé. Alors... Donc là, Illich, étrangement, nous donne une petite citation d'André Malraux. Je ne vais pas m'étendre sur qui est André Malraux, si vous avez la chance de ne pas le savoir. Bienheureux homme, bienheureuse femme. André Malraux, dans La tentation de l'Occident, page 158, s'exprime ainsi. Vous avez distingué dans l'homme certains sentiments et leurs causes les plus communes. Et vous croyez qu'il y a, dans ce que vous appelez homme, quelque chose de permanent qui n'existe pas. Vous êtes semblable à des savants très sérieux qui noteraient avec soin les mouvements des poissons, mais qui n'auraient pas découvert que ces poissons vivent dans l'eau. Bon, écoutez, ça va. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a contre les feignasses Mais ce n'est pas toutes les feignasses, Louisa. C'est que les araignées. Tu dois décoller, my name is Metos. Merci pour les découvertes. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde et bonsoir aux araignées. Bonsoir à toi, my name is Metos, et à bientôt. Euh, on n'est pas prêt de lire l'éloge de la paresse sur ce stream. Ah, quoique. Mais ouais, pas les araignées. On dit du mal de tes Tu vas te désabonner. Ah oh, toujours des menaces. Ne fais pas ça. On doit au moins faire une soirée lecture où on lira euh, des textes euh, personnels et, euh, et je lirai des textes dessus. Il faut que tu sois au minimum euh, euh, là, ce soir-là. Après avoir fini de m'engueuler ce soir-là, tu tu pourras faire ce que tu veux, je ne peux pas te retenir. Tu n'as pas d'obligation. Je serais malheureux si tu partais. Mais bon, tu fais comme tu veux. Je ne suis pas anti-tégénère. J'en ai une là. Euh, là, voilà. Il y en a une énorme dans mon atelier. Je ne l'ai pas chassé. Je vis avec. Ai, D'ailleurs, c'est plutôt un petit mâle. Il a ses petits pédipalpes, il est tout malingre, etc. Je ne sais pas ce qui prend ici, puisque toutes les femelles sont au sous-sol. Il a peut-être un peu diminué, on va dire, ce, ce tégénère. Je ne vais pas dire de mal c'est pas un malin. Mais en tout cas. On vit en parfaite intelligence, tu et moi. Qu'est-ce que je disais La tentative n'est pas neuve et n'a jamais pu être menée à bien, ce qui n'est pas une raison pour s'en abstenir, pour ne pas essayer d'écrire l'histoire de la veuve de tant de vie, selon l'expression qu'employait pour décrire cette matière élémentaire le Mexicain Luis de Sandoval y Zapata, un poète baroque du XVIIe siècle, dans un sonnet qui s'appelle À la prime matière. Voici le sonnet de Luis de Sandoval y Zapata, qui est donc un poète baroque du XVIIe que je ne connais pas. Je ne connais pas très bien la poésie baroque. J'ai lu un peu de poésie baroque anglaise parce que les éditions de Rose ont consacré un gros volume à cette poésie que je le possède, donc j'ai été curieux. Je l'ai lu, mais c'est vraiment pas quelque chose que je connais bien. Alors on y va. Donc ça veut dire que je ne vais pas vous faire une lecture de texte commenté, parce que je n'ai pas de compétences du tout pour... Euh décrypter, comprendre, à éclairer la poésie baroque. Matière qui de vie te forma ta vie, combien eut-elle de métamorphoses Neige odorante, en le jasmin t'es vue, et pâle dans la cendre a perduré. Lorsque de tant d'horreurs tu te fus dépouillée, reine des fleurs, tu revêtis la pourpre, et tant de formes mortes ne mourut. Ton être dans la mort trouve à l'éternité. Ne t'éveille jamais en lumière pensive et ne succombe à l'homicide-violence toute invisible des heures ailées. Quoi N'es-tu passage après tant de morts Qu'es-tu, nature incorruptible, demeurée veuve de tant de vie Donc c'est à la prime matière, avec l'eau donc comme prime matière. Je ne suis pas sûr de comprendre la moitié de ce qu'il raconte. Matière qui de vite te forma. Ta vie, combien eut-elle de métamorphose jusqu'à la savane, neige odorante, ok. Et pâle dans la cendre à perdurer. Donc c'est euh, le, 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 le fugace moment dans lequel l'eau se fond dans la cendre et disparaît. Lorsque de tant d'horreurs tu te fus dépouillé, reine des fleurs, tu revêtis la pourpre. Il parle de la rosée sans doute, mais là je ne vois pas en quoi l'eau revêt la pourpre. Non, vraiment, il y a beaucoup trop de choses qui m'échappent. Je ne vais pas essayer, on va dire. Je suis nul pour comprendre les métaphores de la poésie baroque. Et je dois vous dire que c'est pas vraiment ma tasse de thé. L'eau en tant que matière. La substance considérée comme eau ou comme feu varie selon les cultures et les époques. Et l'eau est toujours dualiste. Donc ça voudrait dire qu'elle découple euh, pensée et matière. Si je comprends le terme de dualiste à cet endroit-là. Ce est... Alors bon, la composition en quatre substances, on l'a confirmé l'autre soir. Enfin, la, la, la vision plutôt en, en quatre éléments est euh, euh, proposée un peu avant en Pédocle, mais confirmée et thématisée par lui. Voilà, si vous voulez savoir d'où ça vient, l'eau, euh, la combinaison eau-air, euh, feu, euh, terre, c'est en Pédocle. Alors, elle est toujours dualiste. Elle figure généralement le couple originel. Le plus souvent, les jumeaux qui, avant la création, dormaient dans les bras l'un de l'autre. Ah, Je ne sais pas quels sont ces jumeaux. Euh, jumeaux originels, j'en connais un couple. Euh, on voit ça dans le shintoïsme, je crois, chez les Japonais. Il euh, y a un couple originaire qui s'appelle Izanagi et Izanami, euh, qui effectivement euh, sortent d'un fleuve de boue primordial, je crois. Euh, duquel ils extrait si je me souviens bien, la déesse de la lumière, Amaterasu, mais tout ça est très vieux et très flou. Donc peut-être que je dis de bêtises, est-ce que c'est de ça dont ils parlent, comme couple de jumeaux, euh, dormant l'un dans les bras de l'autre Elle enveloppe ce qui existe avant que soit l'espace. En tout cas, dans le Béréchit, dans l'Ancien la, Testament, c'est le cas. L'eau et le sang qui nourrit avant même que coule le lait. Bien des choses peuvent être des eaux. Dans certaines civilisations, l'océan salin est aussi différent du sang que de l'eau qui étanche la soif. Et dans certaines cultures forestières, les cieux et la terre sont perçus comme autant de manifestations différentes de l'eau. Bon, par exemple, ça, tout ça peut vous paraître extrêmement euh, bizarre, mais ces superpositions au sang, elles ne sont pas rares dans le christianisme non plus. Euh, l'idée que le Christ a sa à sa, sa plaie, à breuve, euh, des voix, on voit même perler de l'eau à sa plaie, abreuve les chrétiens, abreuvent telle ou telle figure de, de l'histoire chrétienne euh, dans, euh, dans une apparition. Où, euh, cette superposition au sang est très fréquente dans euh, l'iconographie chrétienne. Euh, le, la superposition entre la, la fontaine du pressoir mystique qui abreuve de, euh, du sang du Christ et, euh, et le, le vin, est constante mais il arrive que cette métaphore soit associée à une source d'eau euh, picturalement je l'imagine du coup dans les textes également donc c'est pas euh, c'est pas des cohabitations euh, métaphoriques si étranges que ça en tout cas pas si étrangères que ça je dirais à notre propre histoire des des images et des métaphores par exemple chez les indiens du nord du Brésil près de la frontière vénézuélienne les morts se transforment en eau au bout de trois fois cette année et reviennent sur terre sous la forme de femme, qui est perçue comme la rosée même la frontière entre l'eau et le feu peut fluctuer dans euh, la mythologie védique alors euh, les vedas si vous savez pas ce que c'est donc les vedas c'est des textes hein, c'est des textes c'est des textes comment euh, révélés donc, comme euh, comme le, la Torah, comme tant d'autres textes religieux. Donc, c'est des textes révélés. Et c'est des textes qui sont censés avoir été révélés à des sages, euh, les rishis. Euh, donc, les Védas posent. Alors, je ne sais pas combien de textes, je crois qu'il y en a quatre. Il y a euh, le Rig euh, il y a euh, comment, le Samar -Veda. il y en a deux autres, je crois. Hein. Et Ils sont révélés au Rishi et c'est la base du Brahmanisme. Voilà. Donc euh, Les textes sont censés avoir été transmis de, de Brahman en Brahman et le Brahmanisme lui-même, accompagné d'autres textes, euh, il doit y avoir les Upanishads et je ne sais plus quoi, devient le socle de l'hindouisme. Enfin, tout ça a été un peu compliqué. Là non plus, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est juste pour vous dire ce que sont les Védas. Dans la mythologie védique, le soma est le feu qui enveloppe tout être et qui flue et reflue autour du soleil. C'est un feu buvable. En arabe, alcool est un sublimé pulvérulent du mercure employé pour rehausser la beauté des femmes. Quand elles fardent les paupières, elles deviennent enivrantes. C'est seulement après que l'alcool a été distillé par Paracels, à partir du vin, que son pouvoir enivrant fut attribué à un esprit de l'eau. Alors Paracel, si vous ne savez pas qui c'est, c'est un, un homme important dans l'imaginaire de l'alchimie. C'est un homme, un intellectuel, médecin, chirurgien et euh, alchimiste de la fin 15e, début 16e. Un type assez euh, oui, important, en tout cas, il est très lié à, euh, à la revitalisation de l'alchimie. En polonais, vodka signifie petite eau. Ah d'accord, bah merci Suze. Merde, Suze vient de faire une intervention sans jeu de mots. C'est dingue! Mais c'est un vrai renseignement. En plus, Suze, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas du tout. Euh, tu lis mon pseudo, la théorie des signatures. Je ne connais pas la théorie des signatures. Tu lis mon pseudo. Donc, si tu veux en parler, je veux bien. C'est joli cette déco effet carte à gratter. C'est du pinceau? juste un bon vieux coup de pinceau euh, sur euh, papier noir hein. et euh, le reste c'est pareil c'est du crayon sur papier noir c'est des petits dessins que j'avais fait pour un bouquin euh, je sais plus lequel euh, l'important c'est de participer où oui, j'en suis c'est seulement après que l'alcool eût été distillé par paracels à partir du vin que son pouvoir enivrant fut attribué à un esprit de l'eau ainsi la matière eau tout autant que sa forme procède-t-elle du regard du spectateur En opérant cette distinction entre l'imagination en tant que source de forme et l'imagination en tant que fontaine de matière informe, moi je me fonds sur Gaston Bachelard. Donc il revient sur, sur l'essai de, de Bachelard. Il ne cesse de revenir sur le contraste fondamental entre imagination formelle et imagination matérielle. La forme et la matière de notre imaginaire ne peuvent se concevoir séparément car l'une ne peut exister sans l'autre. Ah, c'est lié à l'alchimie. Alors là, c'est un domaine sur lequel je me suis peu pensé. Je dois dire que ça ne m'intéresse pas des masses. Enfin, là, la société intellectuelle et savante du XVIe siècle, celle des libertins spirituels, etc., dans laquelle naît l'intérêt pour l'alchimie, m'intéresse. J'aime ces gens, j'aime comment ils pensent. Euh, j'aime les tableaux qui en découlent. Par exemple, j'aime bien la peinture alchimiste de pierre di Cosimo, Enfin, ce genre de choses. J'aime bien cette, ce mélange de rigueur, on va dire, d'un nouveau paradigme de rationalité et les endroits où ça les conduit, c'est-à-dire quand même des endroits assez étranges de la pensée. Donc il y a vraiment un point particulier de porosité entre des domaines de l'imaginaire et des domaines de la rationalité qui sont intéressants. Leurs positions politiques aussi sont très intéressantes. Mais l'alchimie elle-même, je t'avoue que ça ne m'intéresse pas des masses. La forme et la matière de notre imaginaire, donc on est entre l'imagination en, en tant que source de forme et l'imagination en tant que fontière de fontaine pardon, de matière informe. La forme et la matière de notre imaginaire ne peuvent se concevoir séparément, car l'une ne peut exister sans l'autre. Mais le fait que nous ne puissions séparer notre expérience de la passion de l'élément qu'est le feu et que nous ne puissions imaginer le feu sans la passion n'implique nullement que l'un et l'autre et étaient de tout temps perçus comme des versions d'un même principe. Que leur conjonction dans le nouage de nos euh, métaphores ne, ne dit rien euh, de, de l'unité originelle de, ce, de ces métaphores. L'amour, le feu dans l'âtre, la rage, la guerre et la passion sont autant de choses qui s'attisent et qui s'enflamment au contact d'une matière qui est imaginée en tant que feu. Selon les cultures, la ligne qui sépare l'inflammable de l'incombustible divise différemment le réel. Il y a dans le sud du Mexique deux tribus partageant le même territoire. Dans l'une, les femmes enflamment le désir des hommes, dans l'autre, elles leur liquéfient les entrailles. c'est des choses qui peuvent, j'imagine, se traduire aussi, hein, pas seulement dans les métaphores, mais, mais après, dans euh, toutes les constructions sociales. C'est-à-dire, dès l'instant où vous basez euh, les relations à, à des choses aussi élémentaires que le mode d'agencement entre les corps, euh, le mode de configuration de la cité, le, la typologie des rencontres, euh, la façon de faire les choses, et vous y associez une métaphore, vous imaginez bien que ça va avoir des effets dans en dehors du champ de cette métaphore, c'est-à-dire partout où ce que recouvre cette métaphore, ce dont en gros cette métaphore parle, va être amené à exister. Et les effets d'une métaphore peuvent être, peuvent être très très puissants sur la façon dont on fait exister tel ou tel fait social, et tel est de la manière dont on va l'entourer dont on va, je ne sais pas, accostumer les mariés, ou euh, dont on va euh, faire tel ou tel type de geste, ou dire tel ou tel type de parole pour accompagner nos rencontres euh, amicales, nos rencontres de travail, etc. Tout ça trouvera son ouage, souvent, sur un, une, plusieurs euh, métaphores qui a, avaient prétention à parler, justement, de telle ou telle chose. Là, le, le fait de susciter le désir euh, dans une tribu. Euh, et imaginée sous la forme d'une inflammation, les femmes mettent le feu au désir, et dans l'autre, la liquéfaction des entrailles. Mais dans l'une et dans l'autre, sous la masse des images, des locutions, des ambiances, des expériences tactiles et des lumières qui modèlent l'eau dans notre imagination, il y a une matière aqueuse, stable, dense, lente et fertile qui végète obscurément en nous. Donc, c'est cette espèce de substrat que veut chercher, vous l'avez compris, euh, Ivan Illich. C'est-à-dire, il, il part du principe que, que as, c est assez juste, au fond, que euh, nous n'avons pas de point de contact avec la réalité. Bon, ça, c'est une chose. Après, euh, les points de contact médiés que nous pensons avoir avec elle bah, passent euh, le plus souvent par le langage, la façon dont on nomme les choses du monde. On est d'accord, je crois, avec ça, plus ou moins, hein, tous et toutes, là mais il se trouve que si on accepte aussi l'idée que le langage humain n'est en rien un outil de communication, ce n'est pas quelque chose qui produit des énoncés fixes et sans reste et qui les déplace d'un émetteur à un récepteur, c'est vraiment des conneries, c'est une vision complètement puérile et fausse du langage humain. Donc si on accepte le fait que le mode d'effectuation de nos énoncés, et incroyablement noué à la fois de métaphores et d'historicité, c'est-à-dire des longs parcours que les énoncés ont fait pour prendre les formes que nous leur connaissons. Alors nous savons aussi que cette médiation particulière produit des formes de distance différentes, diaprées, des échelles, des, des granulations différentes dans la texture de nos rapports au monde. Et ce que suppose Illich, c'est qu'il y a un moyen d'approcher, non pas le réel, mais d'approcher au minimum quelque chose qui serait toujours tapi sous le champ de métaphores et qui se crée peut-être leur première cause. Non pas la cause première qu'est l'objet en tant que tel dans le monde sensible, dans le monde des choses, mais la première cause de toutes ces métaphores, c'est-à-dire. La première métaphore qui nous a rapprochés un, qui nous a rapproché un jour de cette chose sensible. Alors, il y aurait tapis sous tout ça, ce substrat-là. Voilà. Est-ce que c'est clair pour bon, vous Vous me dites. Hein. Et c'est ça. C'est au contact de ça qu'il veut aller. Il veut aller vers euh, cette, euh, cette matière aqueuse stable, dense, lente et fertile qui végète obscurément en nous. C'est-à-dire en tant qu'elle végète en nous. Vous comprenez qu'elle est déjà métaphorisée. C'est pas L'eau réel qui est insaisissable. Mais c'est euh, telle qu'elle est administrée par notre euh, imaginaire. Elle échappe à chacun de nos sens s'il s'exerce seul. Ces fleurs noires s'épanouissent dans les ténèbres de la matière et ne deviennent visibles que lorsque l'imagination les laisse chanter la réalité. Ça fait un peu Platon. Ah, je vois ce que tu veux dire. Non, euh, c'est vraiment un problème euh, métaphorico-lexical. C'est-à-dire, on n'est plus dans un problème social, Gampy. Il ne s'agit pas de, euh, de dégager des formes connues. Ce en quoi elles nous rapprocherait de la cause originelle de l'idée. Chez Platon, pour ceux et celles qui ne voient pas comment ça fonctionne, les idées ont un caractère d'existence. Les idées existent quelque part, il y a un monde des idées qui n'est pas connaissable de façon directe, et en tout cas pas connaissable par la matière. Ce qui s'expérimente dans la matière, ce sont des euh, effectuations, des euh, formations dégradées de l'idée originale. Là, voyez-moi, cette chose-là, euh, ce n'est pas le pinceau, c'est juste une variété. Il existe quelque part un pinceau qui est l'idée parfaite de cette chose et qui a une forme qui lui convient absolument. Idée et forme font un. Par la connaissance, par le travail de la connaissance, nous pouvons approcher ces idées. Ça sert à ça, la connaissance. Ça sert à nous dégager des imperfections de la matière et de ses effets euh, pour lentement aller vers l'idée. Ce dont je parle, uh, Gumpy, c'est très très différent. <laughs> Tu as raison, Arbor. Eh bien, euh, à bientôt. <laughs> Emprunte-toi et euh, cours à la surface de ce, de ce beau coup d'eau. arbor, à très bientôt. Oui, c'est vrai, on est beaucoup d'eau. On est 75% d'eau sale. Et c'est pas rien, évidemment. Et tu vois, Gumpig, là, c'est plutôt un chemin euh, socio-linguistique qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher l'idée de l'eau. On va chercher la façon dont l'eau. Avant que le champ des métaphores, dont on peut dire juste une chose, hein, c'est la lente construction des énoncés à travers l'histoire de nos sociétés. C'est jamais grand chose d'autre que ça, au fond. Le truc, c'est que ces énoncés, ils ont des effets considérables sur notre façon de nous organiser, de nous constituer. Euh, à chaque fois qu'on produit une métaphore pour, euh, pour euh, caractériser une relation au monde, une bonne fois pour toutes, on a créé un mode de distance particulier. À une cause sensible, à un objet du monde, à un effet naturel, à un truc quelconque auquel nous sommes confrontés de façon brutale et dont nous essayons de rendre compte. Notre histoire produit comme ça des tissus de métaphores, des façons de dire les choses qui changent nos sociétés. Le chemin qui est proposé, c'est pas d'aller vers l'idée, c'est de voir en quelque sorte quelle est le, la première expérience qui, sous toutes les façons de dire les choses, qui sont venues euh, parsemer notre champ de métaphores est-ce que quelque chose de cette première expérience n'existerait pas en chacun de nous encore sous le tissu des métaphores ce premier énoncé euh, cette eau dormante cette première expérience de cette matière donc euh, c'est déjà quelque chose de très incarné c'est pas l'idée si tu veux Le temps est venu pour les historiens d'écouter la sonorité des eaux dormantes, dit Bachelard. Il parle des énoncés réels et Platon se réfère à un modèle déique. Oui, et puis idéal surtout. Donc euh, pas, si tu veux, traversant les corps. Là, on parle vraiment de choses très matérielles, c'est très pragmatique ce qu'on est en train d'évoquer. C'est sûr que dit comme ça, ça a l'air terriblement euh, euh, confus, un peu bizarre et euh, très. Euh... Vaporeux, très brumeux, mais au fond, non. On parle juste de. de. comment. De, 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 oui. <laughs> On parle de réalité sociale, en fait. C'est tout bête. Peut-être que le concombre est un humain savant. Et pour Berdol, l'Homo sapiens est un concombre savant Ok, je vois. Je ne fais pas de commentaires. Je ne peux pas tout commenter. Et là, je suis dépourvu. En remontant le cours des eaux du rêve, l'historien apprendra à distinguer le large registre de leur voix. Son oreille s'affinant à la musique des eaux profondes, il percevra une sonorité discordante et étrangère aux eaux qui se répercute dans les canalisations des villes modernes. Il constatera que le H2O qui gargouille dans les tuyauteries de Dallas n'est pas de l'eau, mais une matière créée par la société industrielle. Il comprendra que le XXe siècle a métamorphosé l'eau en un fluide auquel les eaux archétypales ne peuvent se mêler. S'il disposait d'assez d'argent et de large pouvoir d'éviction et de démolition, des architectes pourraient parfaitement faire naître de ces eaux usées un monument liquide qui répondrait à leurs critères esthétiques. Mais comme les eaux archétypales sont aussi contraires à cette nouvelle matière, qu'elles le sont à l'huile, il serait à craindre que pareille monumentalité liquide rende les âmes des enfants de Dallas imperméables à l'eau des rêves. Alors, qu'est-ce que ça coule de source T'en va hors bord au stream qu'à la fin, y elle se casse. <laughs> Très bon, je dois dire. En formulant cette crainte, je ne prends pas le parti contre l'aménagement d'un lac au bord duquel ça débarque. des barques. Qui rafraîchirait la vie, les scintillerait dans la nuit. La navigation de plaisance, les températures et le reflet des gratte-ciels n'entrent pas dans mon propos. Ce dont je veux traiter ici, c'est de l'eau et des rêves. Je veux explorer les conséquences morales et psychologiques de l'exhibition publique d'eau vannes recyclée, se prétendant symbole esthétique d'un mariage entre l'eau et l'espace urbain. Donc, ça, c'est un questionnement du texte qui doit nous amener à nous dire est-ce que toute tentative dans ce cas de ramener dans une construction aussi complexe qu'une cité aussi euh, artificielle dans euh, la façon de conduire les corps à certaines modalités de rencontre et en exclure d'autres à euh, être érigé sur les bases de matériaux qui sont tous des matériaux hyper cultivés, hyper techniques, est-ce que ça veut dire que la cité est impuissante à se laisser traverser euh, par l'eau des rêves, par toute euh, possibilité de reconduire des expériences, euh, comment on pourrait dire, mythiques, telles qu'elles ont précédé l'histoire de nos grandes cités Illich a l'air de dire que pour l'eau, substrat dont il parlait, c'est trop tard dans la cité. Que toutes les métamorphoses qu'elle subit avant d'arriver dans la cité, le chemin qu'elle fait, mais aussi euh, les transformations réelles, physiques, euh, son filtrage, euh, rend impossible de euh, renouer avec les métaphores. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, vraiment, hein, c'est une question. Lorsque vous ouvrez votre robinet, la fontaine originelle a vraiment disparu. Est-ce que euh, il pourrait ne rien rester dans cette eau qui coule du robinet -dire, Elle pourrait être, euh, imaginons qu'elle soit, intégralement de synthèse que ce ne soit pas une eau de telle ou telle source qui a été purifiée, filtrée, etc. pour qu'elle puisse être propre à la consommation, que ce soit un pur produit de synthèse, qu'elle arriverait aussi miraculeusement qu'elle arrive en ce moment chez nous en tournant un robinet, est-ce que pour autant elle aurait perdu la métaphore profonde de euh, comment on pourrait dire de, de notre dépendance originaire à la première pluie, à la première fontaine, à la première gorge. Je n'ai pas l'impression. Alors après, on va voir si c'est bien de ça dont parle Illich. Moi, je pense qu'il y a une résistance totale des métaphores à, à la transformation matérielle. L'espace du chez soi, ni un nid, ni un garage. Les distinctions que l'on fait entre l'odeur, la vue, le goût et la sensation tactile de cette matière ineffable, appelée l'eau, sont également valables pour l'espace urbain. Toute culture modèle son espace, elle l'engendre en devenant culture. L'espace n'est pas comme l'énonce Durkheim. Durkheim, on en a déjà longuement parlé dans les lectures sur l'anomie, hein, donc... Euh... On ne va pas revenir sur la sociologie durkheimienne et sur Durkheim lui-même. Donc je vous renvoie vraiment aux trucs sur l'anomie qui sont podcastés, donc vous pouvez retrouver tout ça. L'espace n'est pas, comme les noms d'Urkheim dans une lumineuse démonstration, ce milieu homogène qu'avaient imaginé les philosophes. Il est une création sociale qui résulte de la complémentarité asymétrique présente à tous les niveaux dans chaque culture. Alors, il y a une petite note pour Durkheim. Émile Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est là-dedans qu'il dit ça. L'espace n'est pas ce milieu vague et indéterminé qu'avait imaginé Kant. Purement et absolument homogène, il ne servirait à rien et n'offrirait même pas de prise à la pensée. La représentation spatiale consiste essentiellement dans une première coordination introduite entre les données de l'expérience sensible. Mais cette coordination serait impossible si les parties de l'espace s'équivalaient qualitativement, si elles étaient réellement substituables les unes aux autres. Pour pouvoir disposer spatialement les choses, il faut pouvoir les placer différemment, mettre les unes à droite, les autres à gauche, celles-ci en haut, celles-ci en bas. C'est dire que l'espace ne saurait être en lui-même si tout comme le temps, il n'était divisé et différencié. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il est divisé et différencié autrement que comme réalité sociale On est en droit d'en douter, évidemment. C'est-à-dire que cette partition de l'espace, ce qui pourrait inviter à la supposer existante, ce sont les traces de partage antérieur. Soit une organisation... Sur des plans de rationalité, genre euh, on range les choses de telle manière parce que un certain mode de rationalité nous est habitué à le faire de telle ou telle manière, on met les choses plutôt là ou plutôt là. Donc ça a des, des habitudes sociales ou des choses comme ça. Ou l'autre partition qu'on pourrait imaginer, c'est l'expérience corporelle que vous en avez. Mais là encore, c'est évidemment, on avance en reculant, puisque. On n'est pas en train de parler des propriétés de cet espace. En lui-même, il me semble qu'il est plutôt indifférencié. Toutes ces distinctions viennent évidemment de ce que des valeurs affectives différentes ont été attribuées aux régions. D'accord, là-dessus on est d'accord. Et comme tous les hommes d'une même civilisation se représentent l'espace de la même manière, là-dessus, euh, mollo, il faut évidemment que ces valeurs affectives et les distinctions qui en dépendent leur soient également communes. Ah ben là, moi, j'ai dit qu'ils pensent à l'envers. Je pense que c'est seulement dans le cas où des valeurs affectives et des distinctions créent du commun, alors de cela va bah, découler euh, une même façon de se représenter l'espace, et pas le contraire. Ce qui implique presque nécessairement qu'elle soit d'origine sociale. Bon, ça, de ce point de vue... Voilà, J'ai rien à redire là-dessus. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. Mais ça me semble pas du tout contradictoire avec le postulat d'un espace indifférencié en tant que ça n'est pas parce qu'une chose n'est pas expérimentable corporellement qu'elle est impensable. Donc peuvent cohabiter dans une même tête d'humain euh, plusieurs représentations de l'espace. Et je ne crois pas, moi, comme lui, que tous les hommes d'une même civilisation se représentent l'espace de la même manière. Ça, je ne peux pas croire à une chose pareille. Je crois qu'il n'y a absolument rien que euh, toute une civilisation se, repr se représente de la même manière. Ces fantômes de Tétriste, il reste plus que le fil de fer. Tous ces jeux de mots, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, j'ai vu, hein, on nage un peu en eau profonde. Je J'ai euh, pas tout relevé, Suzan, hein, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça soulage le cœur de couler tous ensemble, dit Berdol. <laughs> Ces fantômes de Tetris, il ne reste plus que le fil de fer. Qu'est-ce que tu veux dire, Gumpy C'est comme le fantôme de Tetris. Hein Qu'est-ce qui rame un peu Non, il faut que j'arrête de faire comme si ces jeux de mots étaient sérieux. Je, je viens de te lire sérieusement quand tu dis ça rame un peu. Je dis, Ah oui, ça rame un peu. Où en étions-nous avec Durkheim Donc, Durkheim, dans une lumineuse démonstration, ce milieu homogène qu'avaient imaginé les philosophes. Il est une création sociale qui résulte de la complémentarité asymétrique présente à tous les niveaux dans chaque culture, c'est-à-dire entre vous, je suppose, et l'espace où vous vivez. Où vivez-vous Où habitez-vous sont deux phrases synonymes en français ou en anglais. Et il en va de même dans la plupart des langues non occidentales. Cette rare constance sémantique indique que vivre et habiter se sont traditionnellement impliqués réciproquement. L'un souligne le caractère temporel de l'être, l'autre son caractère spatial. Habiter, c'est demeurer dans les traces que laisse notre vie et par lesquelles nous remontons toujours dans la vie de nos ancêtres. Habiter, dans ce sens fort, ne se distingue pratiquement pas de vivre. Illich ne fait pas de habiter un simple rapport. De nécessité dans les devenirs, c'est-à-dire de faire du fait d'habiter une dépendance structurelle de votre construction sociale et de ce que vous allez faire de votre peau, de votre devenir. Donc il n'est pas que cela, il n'est pas que cette espèce de, de gestion pragmatique de, de votre corps dans un espace commun ou dans un espace collectif. Il est aussi une relation au passé, et pas seulement par le fait que l'habitat euh, est une certaine durée qui peut vous préexister, mais surtout parce que habiter a déjà été habité par d'autres corps qui ont modelé d'une certaine façon les usages de l'habitat. Vous vous empruntez l'habitation de vos ancêtres. Alors, il y a le Tétris et la forme fil de fer du Tétris qui représente son état passé. Comment ça, la forme fil de fer Ah, mais je connais pas ça, Gumping. Moi, c'est très... Si tu voyais mon Tetris, euh, qui euh, n'a pas bougé de forme depuis que je l'ai vu la première fois sur un Windows 95, il n'y a pas de forme fil de fer. D'accord. Indisponible en mode expert. Ah, ou ouais, alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il y a un petit fantôme, un Eidolon de... <laughs> Pour parler comme les Grecs, il y a Neidolon euh, de, euh, du Tetris hein. juste derrière lui, laisse dans son sillage une petite forme en fil de fer. Ben, je ne connais pas cette version, Gumpig. Désolé. Habiter dans ce sens fort ne se distingue pratiquement pas de vivre. Jour après jour, les êtres façonnent leur milieu. À chaque pas, à chaque geste, les gens habitent. L'habitat traditionnel n'est jamais achevé. Les maisons ne cessent de s'étendre. Seuls les temples et les palais peuvent éventuellement être finis. Éventuellement. Habiter signifie vivre dans la mesure où chaque moment modèle le genre d'espace spécifique à une communauté. Ou à une singularité, par ailleurs. Il y a, il y a une petite note là, qui n'est pas une petite note, par ailleurs, qui est une grande note dit donc. Alors, l'opposition entre les espaces vivants. Vernaculaire. Et euh, alors, vernaculaire, si vous ne savez pas ce que c'est, on l'emploie souvent pour parler de, des langues, hein, langue vernaculaire ou contre langue véhiculaire. Vernaculaire, c'est euh, autochtone, euh, comment, standard, indigène, local, en usage courant. Vous voyez, c'est communément vécu, communément parlé. Euh, pour vous donner un exemple d'opposition de, de, historique, il a été choisi par Charlemagne, je crois que c'est. Euh, on est au 9e siècle, hein, c'est euh, Concile de Tours, euh, puisque plus personne ne comprenait le latin, de donner au moins une partie de la, de la, la messe en langue vernaculaire. Donc l'occitan à cet endroit-là, d'autres langues, le, des, des langues germaniques à tel ou tel endroit. Au moins l'homélie dans la messe était donnée dans la langue que tout le monde pouvait comprendre, donc la langue d'usage, la langue standard, la langue locale, langue euh, vernaculaire. L'opposition voilà. entre les espaces vivants vernaculaires et les sites construits industriellement est évidente. Les premiers sont des communaux, régis par la coutume. Les seconds sont des biens économiques qui ne peuvent être réglementés que par une législation officielle. Alors là, je dirais mollo. C'est un peu une vision, comment dire, un peu fou foucalienne de la suprématie des, des dispositifs. Quoi. Euh, de mon point de vue, tous les espaces, quels qu'ils soient, même les sites industriels, sont reconfigurés par les corps et les usages. Voilà. Et euh, ça veut dire que les corps instituent les déplacements et les usages partout où ils se posent, quelles que soient les configurations. Évidemment, ils peuvent être plus ou moins contraints dans leur aptitude à reconfigurer un espace, mais pour autant, c'est à eux qu'appartient le dernier mot. Alors, il y a une église dans la Loire, à Roche-la-Molière, où la messe est donnée en polonais. D'accord Il faut dire que Roche-la-Molière, quand ma mère était gosse, elle croyait que c'était la Pologne. Alors, je ne sais pas où est Roche-la-Molière, mais si j'en crois à ce que dit Jarry, la Pologne, c'est nulle part. L'opposition, c'est très complexe. <laughs> oui, pour quelque chose de si fugace et insaisissable, c'est évident. Euh, cette distinction évidente a été soumise à la discussion publique dans une série d'articles publiés par John Turner et son ouvrage Housing by People. Enfin, je ne sais pas qui est ce John Turner. En plusieurs occasions, j'ai tenté d'ajouter une perspective historique aux considérations pratiques de John Turner, lesquelles ont eu une portée sur euh, les conceptions de certains urbanistes et architectes. L'espace habité, vivant, a plusieurs caractéristiques, donc chacune contraste avec celle de cet espace d'habitation dans lequel les gens sont simplement rangés. Encore, il faut croire que les gens soient rangeables. Euh, le sont-ils vraiment Là aussi, euh, la question est une question de rapport d'échelle. On peut y croire dans une certaine mesure. On, on voit bien toute la violence coercitive des corps qui s'exerce sur eux dans l'open space, mais on voit aussi. Qu'il y a toujours des plis et que ça va être des rapports d'échelle. Voilà. Donc de loin, en gros, ça ne bouge pas beaucoup. De près, ça bouge beaucoup, pour dire les choses comme ça. L'espace habité vivant a plusieurs caractéristiques. Donc, il est a limité, cet espace. B concentrique. C perçu et marqué par les genres. Et d Régi par la coutume. On y va. Petit a. Donc il correspond à limiter. Euh, Pierre Chonu. Histoire sciences sociales. Donc euh, Chonu, c'est un historien. Voilà, début 20e. Et je crois que c'est un spécialiste de l'Ancien Régime. Histoire sciences sociales, chapitre 2. A étudié l'espace rural en France du 13e et 18 au 18e, pardon. Et il a constaté que 90% de l'existence matérielle de chaque village était le résultat d'activités se passant dans un rayon d'environ 3,5 km. Ce rayon était caractéristique de l'Europe pré-industrielle. Par comparaison avec d'autres cultures paysannes, c'est assez vaste. En Inde, le désa, le village, a un rayon correspondant à la distance qu'un bovidé peut, sans effort excessif, couvrir en tirant l'arrière. L'arère, je crois que c'est l'espèce de soc très simple de, de charrue. C'est notamment pour cela que la vache en est le symbole sacré. Sa surface n'atteint qu'un tiers de celle du village européen post-médiéval, dont le critère de mesure se fonde, lui, sur la distance couverte par un âne ou un cheval. Petit b, concentrique. Carnoc, je ne sais pas qui c'est. Je suis désolé, peut-être on peut aller chercher si vous voulez, c'est un ethnologue visiblement puisqu'il écrit ça dans Ethnologie française, a montré qu'encore en 1950, certains villageois français percevaient l'espace comme une série de trois cercles concentriques de distance sociale. Le village dans lequel on passe sa vie, la vallée dont les habitants sont traités comme des gens de l'extérieur, mais non comme des étrangers, et le pays dans lequel seules les familles sont reliées individuellement par parentèle au village. Donc vous savez comme moi que le droit de base pense encore comme ça. D'abord ma famille, ensuite mes proches et mes amis, ensuite la société, ta, ta, ta. Donc une vision concentrique aussi de la construction sociale. Petit c, l'espace vivant est toujours un milieu perçu. Alors petit c, c'était pour. Pourquoi Perçu et marqué par les genres. L'espace vivant est toujours un milieu perçu et marqué par les genres. Il est genré. Le résultat d'une complémentarité dissymétrique entre le domaine de l'homme et le domaine de la femme. Et il a écrit là-dessus, euh, Illich, il a écrit là-dessus dans les années 70. Et ouais, c'est Illich, c'est pareil. Hein il a écrit un bouquin qui s'appelle Le genre vernaculaire. Alors, il reste le petit D. Le petit D, c'est régi par la commune. Petit dé. Chaque couche d'espace vernaculaire, rural ou urbain, est engendrée par un ensemble particulier de coutumes et rendue visible par des rituels distincts. Ces coutumes et ces rituels fondent l'expérience de la proximité ou de l'éloignement entre les membres d'une famille, les voisins et les villages. Et l'espace qui résulte de cette expérience n'est pas un espace cartésien. Après, il donne une longue bibliographie pour voir des exemples de la construction des espaces ruraux, ou urbains, vernaculaires, et euh, du fait que ce ne soit pas un régime de rationalité cartésienne qui organise la territorialisation de vos déplacements, de l'organisation de la cité, etc. Et ça, évidemment, c'est des choses qui échappent à l'entendement quand on observe simplement... Enfin, plutôt, quand on traverse les villes sans euh, observer... Euh, parce qu'on ne le fait pas quand on traverse nos villes. On, en fait, on n'est pas en train d'analyser le déplacement, la construction des cités... Euh, tout, on ne fait pas très gaffe. Mais si on traverse une ville comme Rennes, par exemple... Euh, je dis ça parce que c'est la grande ville pas loin. Elle est à euh, un peu plus de 60 bornes d'ici. Donc, c'est la grande ville où on va quand on va en ville. Euh, c'est intéressant de voir que la disposition des espaces et l'importance qu'on leur laisse n'a rien à voir. Avec une rationalisation des déplacements à l'intérieur de la ville. À beaucoup plus souvent à voir avec la représentation symbolique de tel ou tel espace, les euh, présupposés euh, de comportement de telle ou telle population à tel endroit, et donc l'espace qui leur est alloué pour aller de tel à tel endroit de telle ou telle manière, etc., etc. Donc on peut se retrouver avec des gigantesques espaces qui ont beau être centraux dans une ville qui sont toujours vides à cause de la force de représentation qu'ils impliquent ou parce qu'ils sont associés à un domaine qui lui-même associe son prestige à son extension, etc., etc., Là où on va rétrécir à des endroits où il faudrait au contraire rationaliser. Et ça, ça c'est pour la, la comment dire pour la construction qu'on pourrait croire la plus rationalisable, à savoir celle qui est urbaine. Donc imaginez bien que euh, la construction des espaces vivants, des espaces vernaculaires, dont Parliwich, qui ne sont pas les espaces anticipés par le projet euh, urbaniste, eh bien, là c'est encore plus puissant. Euh, l'organisation euh, des corps, des déplacements et des agencements euh, n'a pas grand-chose à voir avec une, une espèce de territorialisation rationnelle. Alors étrangement, ce stream me donne soif. Je crois que je vais me chercher une tasse de thé. Ben oui, généalogique. Oh. Wow. Non <laughs> Non Et Berdol qui évidemment l'encourage. Ouais, moi aussi j'ai soif, mais j'ai rien à boire. J'ai complètement oublié d'aller chercher à boire. Je suis con. Ah, où en étais-je On a lu euh, la dernière note. Cet habitat-là, qui résulte de l'activité vernaculaire, n'a aucun point commun avec la tanière de l'animal ou l'entrepôt du commerçant. L'animal vient au monde doté de l'instinct qui dicte son comportement. La création du nid ou de la toile, de l'antre ou du terrier sont inscrits dans les gènes des animaux. Bon là, euh, on ne va pas rentrer dans les détails du rapport génétique ou, euh, ou euh, de l'apprentissage des bêtes. Hein. Mais ça, on pourrait se faire ça un de ces quatre plutôt en, en lisant des, des grands textes. Euh, notamment, il y, y a des textes assez fameux de Jean-Henri Fabre qui bataillaient sur ces questions de l'inné ou de la qui qui étaient encore très importantes au début du XXe siècle. Et euh, c'est intéressant de les lire avec les, les armes intellectuelles qu'on se donnait au début du XXe pour parler de ces choses-là. Euh, voilà, jean richard c'est un merveilleux entomologiste. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. La demeure, elle. Oh, que vois Agnès, qui, qui, qui a télépathisé Comment tu as deviné Elle m'amène de son merveilleux kéfir. Il est beau, bon, hein Il est perlé à souhait. Il est avance sur ton boulot <laughs> D'accord, je pose pas de questions. Je pense que c'est la soirée Star Trek. Bon, bon, bon. Oh, c'est la soirée procrastination. Ah, tu procrastines. Ouais. Ah bah c'est du propre. Bah merci en tout cas pour le kéfir. Où j'en étais. La raison coule de source. Alors, la demeure, elle, n'est pas un lieu que l'instinct qu pousse à construire pour la reproduction de l'espèce. C'est la culture qui la façonne. Euh, oui, qui souvent la façonne, je dirais, malgré vous ou contre vous. Il n'est pas d'autre art qui exprime aussi pleinement que l'habitat, cet aspect de l'existence humaine qui est historique et ne peut être ramené à des programmations biologiques. Mais de même qu'elle n'est pas un lieu spécifique déterminé par un instinct territorial. La demeure n'est pas un garage, c'est-à-dire qu'on l'habite. Hein Ce second point n'est pas moins important que le premier, car l'habitat actif est devenu pratiquement impossible à Dallas. Donc ça, c'est le postulat d'Illich, c'est qu'il y a des lieux qui sont inhabitables au fond. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, il y, y a des lieux dans la ville. Là, j'y pense parce que, parce que je reviens de la, la ville. On est passé il y a deux, trois jours. Effectivement, il y a des lieux dont le mode d'habitat n'est pas la dérive, mais l'errance. Ils sont voués à rien, ils sont d'une terrifiante aptitude à produire de la solitude urbaine. Ils sont désertiques d'eux-mêmes, ils scandent l'espace en prétendant donner là un espace de représentation qui autrefois aurait été un jardin et qui désormais n'est plus qu'une sorte de place. Vides de sens, aberrantes, il y en a comme ça deux ou trois à, à Rennes, effectivement ce sont des espaces complètement inhabitables, parfois certains et certaines parviennent à les habiter, à transformer ces espaces ridicules, obscènes en euh, lieu où on peut faire du skate, ou, euh... mais c'est généralement impropre même à cet usage. Ce second point n'est pas moins important que le premier, car l'habitat actif est devenu pratiquement impossible à Dallas. Les citoyens y ont perdu la faculté d'imprimer leur existence sur l'espace humain. Ils utilisent Pardon je commence à y voir de moins en moins clairement moi. ils utilisent ou consomment leur logement. Il faut y avoir de la fortune pour pouvoir déplacer une paroi dans sa maison. C'est pas un phénomène que nous devons nécessairement déplorer, mais en tout cas il convient de l'explorer. Aujourd'hui, la majeure partie des gens n'habitent pas dans les murs où ils passent la journée et ils ne laissent pas de traces dans les lieux où ils passent la nuit. Le jour, ils campent à côté d'un téléphone la nuit, ils se parquent à proximité de leur voiture. Voudraient-ils habiter à la manière traditionnelle que le matériau dont est fait Dallas ne conserverait pas leurs traces Ces traces que les gens laissent en vivant sont perçues comme de la poussière qu'il faut enlever et des avaries à réparer, comme la dévaluation d'un investissement considérable. L'espace de Dallas n'est pas seulement aseptisé, sans danger pour qu'il traverse, mais il est encore humano-immune. Humano-immune, voilà une image terrifiante. C'est marrant parce qu'il est censé être à destinée humaine, il n'a pas d'autre raison d'exister, cet espace, que se mettre euh, au service d'un certain agencement et d'un certain devenir des corps. Mais visiblement, si j'en crois à il, il est aussi. Euh, le corps d'un rejet de greffe permanent. Il est cuirassé contre la défiguration qu'entraîne le contact avec la vie. Non, Suse, pas Dallas. C'est mal ce que tu fais. C'est toujours la même raison qui coule, chanter un disciple d'Héraclite. <laughs> tu essaies de relever le niveau des calembours pourris, Docteur Wax, c'est ça, en y injectant un petit peu de philosophie. Pour cette raison, les districts qui constituent Dallas ne forment pas un espace de vie. Des gens naissent et meurent à Dallas sans avoir jamais connu ce que c'est qu'habiter. La faculté d'habiter, c'est le privilège des de laissés pour compte. C'est seulement dans les pays dits en voie de développement que le chez soi est encore à la portée des petits gens. Parmi les déshérités, les pauvres, des pays pauvres, il en est qui peuvent disposer d'un chez soi. Alors, euh, il ne parle pas de loin, euh, il je rappelle qu'il il a commencé... Sa carrière de prêtre, comme dans les quartiers pauvres de Porto Rico. Et que le principal de son travail auprès des populations, c'était des réflexions sur la réorganisation collective de l'enseignement. Donc il était en plein dans son cœur du sujet et sans, sans distance. Alors, c'est une belle, le skate, un sport où ça se casse la gueule tout le temps et pourtant passionnant. Quel calembour pourri, mondes suisses, C'est vrai, Suisse, quel calembour pourri. Une belle métaphore, dit Gumpy. Ah oui. Je regarde par la fenêtre et m'aperçois que le ciel est bleuté. Serions-nous prisonniers d'un cyanotype? Je ne l'espère pas parce que ce que fait le cyanotype avec le temps, c'est qu'il jaunit salement et perd ses belles couleurs. Tu crains fort d'avoir injecté Michel Sardou juste après Dallas. Injection létale, s'il veut, après tout, il est pour. C'est vrai? Tu, tu as fait ça? Elle court, elle court, la maladie d'amour peut-être, c'est ça que tu as fait? Ah ouais, c'est un concours de conneries, heureusement que j'en rate euh, parfois. Je n'ai pas vu en tout cas. Moi j'avais lu Héraclite, j'étais content. Je n'avais pas vu Michel Sardou parce que je n'ai pas les bases. Je suis désolé. Euh... Pour les nouveaux tuteurs bureaucratiques et pédagogiques, ces gens-là vivent dans leur crasse. Du ciel, on voit un fouillis de parcelles où l'existence modèle encore l'espace. Je pense qu'il parle des favelas. Euh... Ce qu'il a écrit là-dessus. Mais inexorablement, le développement transforme les cabanes en taudis. Reconnaître qu'il y a désormais un fossé entre vivre et, et habiter, qui en fait deux activités distinctes et précédemment inconnues, ça peut conduire à s'apitoyer sur soi-même, mais ça peut conduire aussi à agir. Certains en conçoivent la nostalgie romantique d'une plénitude perdue. Pour ma part, je veux en faire le point de départ d'une étude des conditions, qui pourrait permettre une reconstitution partielle. Du milieu habité urbain. Je centre ici la recherche sur l'eau pour réfléchir sur une de ces conditions. Ce qui est en jeu, ce n'est pas l'eau en tant que produit de base, ni même son gaspillage ou sa pollution. Ce ne sont pas non plus les conséquences écologiques de captation inconsidérée, ni les conséquences biologiques des déversements de produits toxiques. Ce n'est même pas l'arbitraire de sa distribution. Sur le volume total d'eau dont dispose Mexico, 60% alimentent 3% de tous les foyers, tandis que la moitié des foyers n'ont à s'en partager que 5%. C'est marrant, mais ça me rappelle des choses qu'on a entendues assez récemment à propos de, de l'usage euh, somptuaire, on va dire, euh, de l'eau par euh, ces petites merdes de riches hein, qui, euh, qui gaspillent euh, des milliers de fois la quantité d'eau allouée à chaque citoyen de Californie. Certes, ce sont là des questions capitales, mais non pas dans le sens qui m'intéresse ici. L'eau dont je parle, c'est l'eau nécessaire au rêve d'une ville habitable. C'est ça, il en va de même, si vous voulez, de la verdure. Certes on peut toujours rationaliser euh, en, en cas de sécheresse la nécessité de mettre des arbres parce qu'on peut s'abriter dessous et qu'il garde de la fraîcheur. On peut arguer du fait qu'on a besoin des arbres pour mieux respirer dans une ville très polluée, ça va euh, produire euh, un contrepoison euh, à, à, à la pollution euh, par les voitures euh, en produisant de l'oxygène. Mais la vérité souterraine, c'est que la présence des arbres nous fait métaphoriquement du bien. Que la cohabitation avec les arbres est un autre problème qu'un problème de rationalité. C'est un problème de représentation que l'on se fait d'une ville agréable à vivre. Quand on pense aux grands espaces verts qui occupent Berlin, en se disant pourquoi c'est pas comme ça chez nous. Quand on pense aux immenses arbres qui occupent les jardins au Luxembourg, qui est vraiment un pays extrêmement verdoyant. La première idée qui ne nous vient pas à l'esprit, c'est Ah, il y a plein d'oxygène et de la fraîcheur. Non, c'est. On suffoque de voir la concurrence euh, de beauté entre euh, la présence des arbres et, euh, et la construction euh, urbaine qui est, euh, oui, qui est ce qu'elle est, qui est belle, effectivement, mais en fait, on est renversé par cette polyphonie, c'est-à-dire de de beauté qui produisent à la fois euh, un étrange euh, concert dissonant et euh, une réalisation euh à lâcher. Voilà, c'est ça, le micro-héros. pas tocasse, ce qu'on sait bien. Mais euh, Sono, putain, c'était violent. Je sais pas pourquoi elle fait ça ma carte son. Alors, régulièrement, elle, elle se désactive et j'en prends plein la gueule. Vacherie. La tronche en tub. Donc l'eau dont je parle, c'est l'eau nécessaire au rêve d'une ville habitable. Je m'attarderai en premier lieu sur la nature de l'espace de vie des humains. J'examinerai ensuite les trois sortes typiques d'espace urbain en les liant chacun, pardon, chacune, chacune de ces sortes, à une variété différente d'eau. Celle de la source, celle de la canalisation et l'eau qui circule, qui est encore autre chose. Je terminerai en revenant à la question initiale, la récupération de l'eau du rêve par l'enfant de la ville. Chapitre suivant, qu'on va lire. Parce qu'on est chaud, on a super envie de lire à hein, Ivan Illich. À moins que vous en ayez plein le cul. Dans ce cas-là, vous me le dites Bon, Laurent, tu nous gonfles avec Ivan Illich, arrête ça tout de suite. La création rituelle de l'espace. Contrairement à ce que son étymologie laisse penser, l'imagination n'est pas la faculté de se former des images de la réalité, mais plutôt de se former des images de l'invisible. C'est la faculté qui chante la réalité. Au départ, la ville classique est un chant rituel de ce type. Sa source, ce sont les rêves. Il parle très littéralement, hein, parce qu'effectivement, avant d'advenir, l'espace est rêvé. Il est rêvé par l'augure, d'une certaine manière. Toute culture urbaine semble avoir ses rituels, au moyen desquels ce rêve, ce rêve de la vie comme un flux intérieur, se reflète dans la représentation que se fait la communauté de l'espace habitable. Un campement de huttes ou de tentes ne se transforme en colonie ou en ville que lorsque son espace a été solennellement reconnu différent de l'étendue ouverte dans laquelle il se dresse, quand il est opposé à l'extérieur. Quand les chemins le traversant de part en part sont reconnus comme des routes, en gros, on va le corporéiser. Pour qui souhaite comprendre comment anthropologiquement se constitue l'espace interne et la forme urbaine, le guide le plus judicieux et le plus éclairé, c'est un livre de Joseph Rickvert, The Idea of a Town. Alors, Joseph Rickvert, c'est un théoricien du début du siècle, hein, du début du 20 siècle, pardon, pas du, de notre siècle, qui était un historien de l'architecture. Voilà, un historien américain de l'architecture. Il a écrit « The Idea of l'idée d'une ville. Je m'inspire de sa description des rituels qui, dans le monde classique en général, et chez les étrusques en particulier, ont créé l'espace urbain. Alors, il y a une petite note. Sur les inaugurations, on peut voir la description détaillée et solide qu'en donne Rigvert, « The Anthropology of the Urban Form in Rome », donc euh, l'anthropologie d'une forme urbaine à Rome. Les sources sont en plus, je vais y arriver, hein, sont plus amplement citées par Nissen dans Das Templum, donc le, le Templum, alors là je pense qu'on va parler avec, euh, avec Illich de ce qu'est le Templum, une source extrêmement importante aussi euh, iconographique, pour penser euh, certaines formes de représentation. Euh, et aussi par Wolfson dans un de ses bouquins qui s'appelle House Altruimission Preservation, Traité des rituels liés aux demeures. L'idée de l'inauguration a très largement perduré dans la théologie et l'allégorie chrétienne. Elle se reflète dans la liturgie de consécration des églises du Moyen-Âge. Donc là aussi, il y a une longue bibliographie euh, où on est invité à lire euh, Oli, euh, Maomram. Euh, qu'est-ce qu'il dit encore Alors Mahomram, lui, il centre principalement l'étude sur l'orientation de la Jérusalem céleste chez Hildegard de Bingen et Honoré d'Autin. Alors, euh, la Jérusalem Céleste, donc c'est vraiment une représentation assez centrale des visions eschatologiques chez les chrétiens, au moins pendant une certaine période. Ça va beaucoup hanter l'iconographie et les textes sacrés. Et euh, qui sont les Hildegard von Binden Alors, In -de -Garde je suppose que nos followers féministes la connaissent mieux, puisque la figure d'Hildegarde a été beaucoup réactivée comme figure centrale avec Christine de Pizan, euh, des grandes figures féminines du Moyen-Âge. C'est une femme absolument passionnante. C'est une intellectuelle, une poétesse de génie, une illustratrice, visionnaire. Euh, accessoirement, c'était une moniale. Euh, dans mes souvenirs euh, dominicaines. Euh, non, bénédictine, pardon. Euh, elle, est, elle vit au 11e siècle, je crois. Euh, C'est aussi une musicienne. Euh, je pense que Agnès vous en parlera à propos de musique euh, tôt ou tard. Elle était prédicatrice. Euh, on a attendu le XXe siècle pour qu'elle soit euh, canonisée, mais elle a été longtemps la bienheureuse Hildegard van Binden et elle est considérée comme docteur de l'Église. Quant à Honoré d'Autun, on rencontrerait souvent son nom euh, latinisé, c'est Honorius Augusto Junensis. Et Honoré d'Autun, c'est un théologien du XIIe, euh, je crois. Euh, c'est un encyclopédiste, un qu'on qu lui doit euh, comme euh, un bouquin, je crois qu'on lui doit L'Imago Mundi, ou euh, en tout cas, c'est un livre sur la Confine. La, la construction de l'univers, une image de l'univers, c'est vraiment un esprit encyclopédique comme il y en a beaucoup euh, à, à cette période. On lui doit aussi, oui, euh, l'Hélicidarium, c'est un bouquin important euh, de théologie. Euh, donc il y a ça, il y a son bouquin donc, de géographie et euh, d'astronomie euh, comme euh, Imagomundji, Image du monde si vous préférez. Et sinon, il a écrit une chronique de l'histoire euh, universelle. Il, il les garde donc et Honoré Dautin, le Templouk. Non, pas le Templouc, le Temploum Ah, euh, qui débarque sur nos plages l'été, le Templouc. Donc, euh, orientation de la Jérusalem céleste, etc. La question de l'orientation des espaces est importante évidemment dans euh, l'Europe médiévale, notamment bah, tout simplement de l'orientation euh, des églises elles-mêmes qui doivent être occidentées, hein, qui euh, doivent avoir euh, leur portail à l'Occident. Bon, bref, on s'en fout. Dans la tradition classique, ce qui fondent une ville obéit à une incitation. Cette incitation lui vient généralement en songe. Ainsi, le héros de la mythologie grecque, Héraclès, apparaît en songe à l'Achéen, Mycélos, donc le l'Achéen, habitant de l'Achaïe, c'est une des contrées grecques de cette période, hein, et lui enjoint de fonder une colonie au mépris de la volonté de ses voisins et des lois de sa ville. Donc Héraclès, Hercule. Apparaît en songe à Mycélos, ou Mycélos. Lorsque le sujet est soumis au vote, le demi-dieu doit aller jusqu'à tricher. Hercule triche. En substituant aux cailloux noirs, donc les contres, des cailloux blancs, les pour. C'est la technique de vote que vous connaissez, un classique, l'ostracisme. En général, les fondateurs sont, en songe, conduits par un signe jusqu'au site de la future cité. Ça peut être un animal sauvage blessé, ça peut être un oiseau bizarre, un nuage ou la foudre qui le mène au lieu choisi par les dieux. Aînée suit une truie jusqu'au lieu où elle met bas sa portée. Je crois que je vous ai mis une petite euh, image. Ah, je suis con. Ce qui aurait été bien, c'est que je vous montre des belles images de Hildegard von Binden et j'ai pas fait. Ah, oh, pourquoi j'ai pas fait ça Ça, c'est la Toulouse de Delphes, ça n'a rien à voir. Ah, mais c est, c est, ah, ça, c'est un templum, par exemple. <laughs> Là, c'est un, un très beau templum. Avec la projection au sol du templum, on est complètement dans notre sujet. Euh, ouais. Donc euh, Aéné, vous voyez qui c'est, hein, c'est un personnage mythologique important, c'est le fils d'un mortel et, et d'une déesse, d'Aphrodite et d'Anchise, et c'est un héros, un des héros de la guerre de Troie. Voilà. Et on, en, en, picturalement, on présente souvent Aéné portant son père euh, dans, pour le sauver, de, il, il s'enfuit de Troie, il porte son père dans ses bras, son père Anchise. On peut trouver tout ça chez Virgile, dans l'Énéide, qui raconte son histoire. Où j'en étais. Aîné suit une truie jusqu'au lieu où elle met bas sa portée, c'est là que s'élèvera Albe la Longue. La Pythie, en transe, prédit le destin d'une colonie. Elle envoie Mycélos à Crotone pour préparer la voie à Pythagore, et elle destine le marchand Archias à faire fortune à Syracuse et à y mourir de la main même de l'être aimé. Le rêve de fondation est toujours, mais obscurément, lourd de portée, de destinée. Cependant, pas plus que la vocation, pas plus la vocation d'un fondateur qu'un mandat de l'oracle de Delphes, ni même l'existence d'un établissement humain sur un site ne suffisent à faire d'une localité une ville. Il faut l'intervention d'un prophète reconnu, d'un augure qui fonde l'espace sur le site découvert par le fondateur. Cette création sociale de l'espace, c'est l'inauguration. Inauguration. Inauguration. In dans l'augure. L'augure, donc le voyant, vous voyez, c'est ça, l'augure, celui qui, qui regarde le destin en face pour lire les signes de la destinée. Il peut voir des corps célestes qui sont invisibles au commun des mortels. Il regarde vers le ciel. Il contemple dans les cieux le temple de la cité. Le terme templum appartient au vocabulaire technique de son métier. C'est une forme polygonale, planant au-dessus du site découvert par le fondateur, et que seul voit l'augure lorsqu'il célèbre l'inauguratio. Donc il regarde dans le ciel, et il traque une configuration favorable. Un vol d'oiseau, une traînée de nuages, le foie d'un animal sacrifié peuvent l'aider dans la contemplation. Contemplatio, donc le, euh, la contemplation du templum, con avec. Dans ce moment de la contemplation, la contemplation l'acte par lequel il va projeter sur le paysage choisi par la divinité cette figure vue dans le ciel, ce templum. Dans cette contemplatio, donc dans cette contemplation, le templum céleste prend sa silhouette d'ici bas. Mais la contemplation ne suffit pas. La silhouette du templum ne peut s'établir sur la Terre que si elle est correctement considérée. C'est-à-dire alignée sur les étoiles. Alors les étoiles en latin c'est sidus. Con si douce Avec les étoiles. Dans l'alignement des étoiles. La considération la considération, suit la contemplatio, la contemplation. Elle aligne le cardo, donc l'axe. Le cardo du templum, l'axe du temple, sur l'étoile de la cité, le cœur de la cité. A l'origine, le cardo était un gond, un... au symbolisme explicitement et concrètement masculin-féminin. Qu'est-ce que tu as choisi comme citation Oh non, putain, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'arrive pas à faire caca, il doit être très désagréable. Putain, au pourquoi J'essaie d'amener un, un, un cachet, des garanties culturelles sur, ce, sur cette chaîne. <laughs> vous ne pouvez pas vous empêcher de tout saloper. L'inauguration se termine, l'inauguration donc, par la dénomination des parties de la cité qui seront la droite et la gauche, le devant et le derrière, et en fournissant un contenu aux espaces ainsi qui ont été prévus, donc prévus, vus à l'avance, hein, s'opère la désignation désignation, donc on va produire les signes de l'emplacement du monde, le mundus, la bouche du monde souterrain. Cette bouche du monde souterrain, salut sombre, s'ouvre près du focus. Donc le focus, c'est le, le feu, la porte focale, la porte du feu. Donc vous voyez la configuration, templume, le templume le templum naît de la considération comme si douce l'observation du ciel l'alignement des étoiles la contemplation donc avec le salut à toi morticie l'augure, regarde le ciel regarde le le temple, provoque une projection euh, née de cette considération et de cette contemplation de cette contemplation avec le temple comme et on commence à envisager la projection au sol tu follows pour le caca. Ah, bah, c'est une raison qui en vaut bien une autre, Mort. Cette chaîne laisse une place un peu trop considérable au caca, mais qui puis-je On a la communauté qu'on mérite. Donc, on commence à situer, à prévoir l'organisation au sol de la cité, l'emplacement du monde douce, donc as la bouche du monde citerain, parce qu'il va falloir créer espace de, un espace de dialogue entre cette cité nouvelle qui va venir au monde et. Le commerce, la cohabitation avec les dieux, évidemment. La bouche du monde souterrain qui se près du focus, la porte focale du feu, de l'autre monde, autre monde par laquelle, par la porte de laquelle les érémies peuvent émerger. Bienvenue à bord et merci pour le follow Karl Marx en air max <laughs> et bienvenue ici. Donc les Gérinies, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont des divinités chtoniennes, hein, enfin, qui viennent du fond de la terre, des divinités telluriques, euh, qui sont euh, à ma connaissance au nombre de trois. Euh, elles s'étaient méprisées des dieux de l'Olympe, puisqu'elles renvoient évidemment à un passé en, antérieur à l'Olympe, donc méprisées des dieux et très craintes des hommes, fuies par les hommes. Les Gérinies sont des divinités punisseuses, ce sont des divinités qui assouvissent, qui réifient, qui font euh, prendre au corps aux malédictions. C'est pas des personnes super fréquentables, je vous le dis tout net. On continue. Cependant, des gestes et des signes de l'augure, les signes donc de la désignation, la désignation, le moment où on commence à tracer, d'abord mentalement, mais ensuite au sol, vous allez voir. Des gestes et des signes de l'augure, aucun ne laisse une trace visible sur le sol pour l'instant. Ils sont fixés dans les modèles de foi ou de roues dont certains nous ont été conservés. Les actions de l'augure constituent une incantation de l'espace par l'opposition euh, et le mariage de la droite et de la gauche. Ce mariage, il demeure maintenant à le rendre tangible. Il faut le matérer, il faut lui faire prendre corps pour que la cité devienne cité. Et autre chose qu'une projection, que ce jet euh, de, de l'image. C'est le fondateur qui devra l'accomplir en unissant le Templum, dissymétrique, et le paysage. Cette cérémonie s'accomplit au moyen d'une charrue de bronze tirée par deux bovins blancs, un mâle et une femelle, la femelle étant attelée vers l'intérieur, et conduite en tournant de droite à gauche pour inscrire le Templum dans le sol. Nous allons donc creuser, creuser la projection du Templum pour construire la cité. Le sillon crée un cercle sacré. Ce bon, n'est pas un cercle, c'est une façon de parler. Il crée un périmètre sacré, si vous voulez. Comme les murs qui s'élèveront sur lui, littéralement, ça marquera la muraille, les limites de la cité. Il est sous la protection des dieux. Donc c'est un espace intermédiaire, si vous voulez. Et celui qui le franchit est sacrilège. Pourtant, il faut le franchir. Il faut laisser le cercle ouvert, le périmètre ouvert. Pour laisser ce cercle ouvert, en arrivant là où seront les portes de la ville, le laboureur soulève la charrue. Il la porte. En latin, la forme conjuguée, c'est portat. Il la porte pour créer une porta. La porte, on porte la charrue pour créer la porta dans ce périmètre. À la différence du sillon et des murailles gardées par les immortels, le seuil et la porte, eux, seront régis par le droit civil. Ici se rencontrent les domis. Enfin l'espace habité si vous voulez, Là, le domus on en a déjà parlé ensemble parce que euh, on a parlé euh, des imagines, des images votives euh, qui, euh, qui étaient le prototype de l'image pour pline donc on a parlé un peu de la maison romaine. Et Foras, tout ce qui est au-delà du seuil. Foras, qui est vraiment un nom dehors. Foras qui existe encore en, en italien, qui donne le fuori hein, de dehors. La porte peut s'ouvrir ou rester fermée. Benveniste note que dans les langues indo-européennes, il y a une profonde asymétrie entre les deux termes, entre, entre dedans et dehors, si vous voulez, entre l'endroit où vous habitez et ce qui est en dehors de l'endroit où vous habitez. Euh, il y a une petite note sur, euh, sur Benveniste. Benveniste, je vous en ai souvent parlé. C'est un, un des linguistes de référence de cette chaîne. Je veux dire qu avec Van qu'avec Humboldt, Benveniste est probablement un de ceux qui font euh, le plus socle au choix théorique euh, en linguistique ici. Voilà, je ne saurais que trop vous conseiller de lire euh, Benveniste. Voilà la petite note. On aurait tort de croire que les rituels qui créent l'espace intérieur inaugurent nécessairement une construction. L'exemple qui suit en est une illustration. Kramrich. Décrit dans Unknown India. Alors, euh, Kramrich, c'est une intellectuelle euh, de la fin euh, 19e. Je crois que je vous ai trouvé une petite photo de Stella Kramrich. Parce que des fois, je pense un peu au truc. Je crois que j'ai trouvé ça. Ah, ça, c'est l'oracle. Ah, je ne oh, vous montre pas tout. Je vous ai montré. Voilà, c'est l'oracle de Delphes. Et là, c'est des Erinies. Ah oui, j'avais été vous chercher des Erinies. J'ai complètement zappé. Je vais vous chercher des documents. Je ne vous les montre même pas. Je suis con. Hein. Voilà, quelques Erinies. Et voilà une version des Eriné qui est très belle, qui est contemporaine. C'est une version d'un peintre des années 70-80 que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, il a commencé plus tôt que ça, mais il est au plus fort de son œuvre pour moi dans les années 70-80. C'est Anselm Kieffer. Ah, voilà, je savais bien que je vous avais trouvé une petite, une petite photo de Stella Kramrich. Donc, fin 19e, début 20e. Voilà, C'est une historienne, c'est une pionnière de l'histoire de l'art. Et c'est une des premières à, je crois, avoir écrit copieusement sur l'art indien. Très beau, mais un peu petit. Ah oui, c'est possible que, que je vous montre des choses un peu petites, mais bon. Ce stream, c'est l'opéra du Cacapella. Bravo, Berdol. Pourquoi je tout ce que vous dites c'est l'oracle de Delphes oui c'est ça. C'est trop petit docteur Je tu peux pas faire beaucoup mieux là parce que j'ai pas prévu une interface pour ça pour les images. C'est vrai que c'est un peu con puisque je vous ai mis une forte iconographie en début de live mais bon. Je pense que les deux gars on les voyait pas mal quand même. On aurait tort de croire que les rituels qui créent l'espace in intérieur inaugurent nécessairement une construction. L'exemple qui suit en est une illustration. Kramrich décrit dans Unknown India, Inde inconnue, la confection en Inde des peintures sur le sol qui sont exécutées au moyen de pâtes de riz. Elles sont le privilège exclusif des femmes et le savoir-faire est transmis de mère en fille. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, la fillette apprend le tour de main et elle y est parfaitement experte avant son mariage à 12 ans. Ces yantras, qui n'ont guère évolué depuis les temples pré-hindous, sont nés dans l'Inde antique. Ils sont encore largement pratiqués par les femmes brahmanes. Chaque yantra constitue un vœu orienté vers une fin précise. Au sein du yantra, une présence invisible, invoquée, trouve sa place réservée. L'intention de la femme est confinée, contrôlée et isolée au sol. Dans le cercle magique et les carrés sacrés du yantra, le pouvoir est charmé, il ne peut s'échapper et il crée ainsi l'espace. Ces yantras ne forment pas des motifs abstraits, ils sont le support de conception. La lune, le soleil, les étoiles et la terre y figurent, ainsi que les objets des vœux de la jeune femme. Le cosmos tout entier est appelé à bénir ceux-ci et à les exaucer. Bien que les yantras ne soient pas codifiés par les Vedas, donc je vous ai parlé hein, tout à l'heure de ce qu'étaient les Vedas, de ces sexes sacrés révélés, aux Brahmanes, ils sont estimés essentiels pour l'érection d'un sanctuaire. Mais de nos jours, lorsque ce sont des tantristes masculins qui exécutent ces mandats-là préariens, ces hommes-là doivent s'abstenir de tout aliment préparé par une femme. Ils ne doivent même pas entendre le tintement de bracelets féminins. Et Kramrich pose la question. Est-ce en partie parce que ces hommes doivent protéger leur art contre celle qui avaient le pouvoir de l'élaborer Et mariage à 12 ans, c'est ça. À 12 ans, la vache Donc, Vénis notait que dans les langues indo-européennes, il y avait une profonde asymétrie entre les deux termes, hein, donc ce qui régit le domi, euh, l'espace habité, les domi, le domus et les foras, donc tout ce qui est au-dehors du seuil, fuori en italien. Il appartient à des familles de mots qui n'ont aucun rapport entre elles. Ils sont sémantiquement si éloignés qu'on peut même pas les dire antithétiques. Salut à toi, Morley Henri. Domi concerne le chez soi, tandis que fora évoque tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui est dehors. Il s'agit de H2O, Morley Henry. Et ça fait, bah ça fait 3h20 qu'on le lit. C'est seulement lorsque le laboura a tracé le sous-sous primigénius, dans le sous ce fameux sillon, vous voyez, sous-sous, le sillon, Primigenius primordial, où vous entendez le radical gène, comme dans ontogène, génétique, etc. Donc le, le sillon primordial qui va être la cause matérielle de la cité, si vous voulez. Donc lorsque le laboura a tracé ce sous-sous primigénius autour du futur périmètre de la ville, que l'intérieur devient un espace qui désormais peut être foulé et que le templum invisible dans le ciel, peut s'enraciner enfin dans le paysage. Le tracement du Soulsus, du sillon, est à bien des égards semblable à un mariage. Le sillon est symbolique d'une hiérogamie, donc une hiérogamie, une sorte de, de mariage du ciel, de mariage sacré, d'une union entre le ciel et la terre. Cette signification, le Soulsus primigenius, le sillon primordial, la véhicule d'une façon spécifique. En creusant un sillon autour de la ville future, le fondateur rend tangible l'espace intérieur. Il exclut l'espace extérieur en lui fixant une limite. En n'oubliant pas d'ailleurs que cette limite, elle a elle est intercessive entre les hommes et les dieux. Elle a un statut quand même très particulier. Mais c'est pour ça que je le lis Léon. c'est parce que très peu de gens connaissent H2O. C'est pas du tout un livre beaucoup lu de Illich. Est... Il est très bon. Il unit ces deux espaces à l'emplacement où plus tard s'élèveront les murailles. Alors, Benvenis, dans le vocabulaire des institutions indo-européennes, il cherche à travers les étymologies à retrouver les significations sociales euh, qui sont véhiculées par le vocabulaire. Donc, on évoquait ça hein, tout à l'heure, le truc important, c'est euh, en dehors des les, les significations, c'est-à-dire comment s'exécute dans le commun du sens. Euh, les, euh, tout un territoire historico-légendaire, euh, mythique et métaphorique, euh, qui vient prendre corps dans la société. Alors, je suppose que par euh, œuvre de Coste, tu ne parles pas de ces caca. Si ça parle de caca, que pensez-vous Ah, tu me parles de Coste. Ah euh, je peux répondre, oui, oui. Euh, alors, je ne sais pas ce qu'il fout depuis bien longtemps. Ça fait euh, 20 ans que je n'ai pas vu un spectacle de, de Jean-Louis, donc euh, je ne sais pas ce qui branle. On se connaît depuis très longtemps, enfin, on s'est rencontrés il y a très longtemps. Bon, maintenant, comme ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu on est des inconnus l'un de pour l'autre désormais, mais euh, j'ai rencontré son travail très très tôt en 88 euh, à Rennes, quand il faisait encore des bars et où il essayait de se forcer à chier avec sa compagne, ça devait être Marianne à l'époque. Et c'était des spectacles ultra-violents, scato, très drôles. Puis peu à peu, il les a rendus de plus en plus savants, assez complexes. Euh, je crois que... Alors, je ne sais plus lequel j'ai vu euh, en dernier. Ça devenait des choses assez longues, avec plein de personnages, avec des incantations. La musique ne euh, bougeait pas beaucoup, elle restait toujours crasseuse, mal mixée, mal foutue, assez drôle, plutôt saignante. Et puis je l'ai perdu de vue au moment où... Euh... Enfin, je vais le dire tout net, c'est con, hein, mais... Euh... Euh, il a publié ses textes dans une revue que je considère comme une revue fasciste, euh, la revue Cancer, qui était tenue, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, Daniel Bruno Daniel Laurent et enfin, bon, une petite bande de merdeux euh, tout à fait détestables euh, qui ont fait une autre revue par la suite qui doit s'appeler. Alors il y a Soum, il enfin, y a toute une série de, de revues assez pathétiques faites par euh, ces clubs de glands. Euh, qui sont typiquement tu vois, des, des nabiens pour les, les uns, euh, quand c'est pas pire. Des gens pas intéressants qui, euh, qui font comme si, euh, le, en gros, comme si le nazisme était une forme de romantisme noir. C'est pas parce qu'il y a un front de vérité là-dedans qu'il euh, y a la moindre raison du monde pour se laisser hypnotiser par cette forme de romantisme noir, par ailleurs. Je n'ai jamais compris pourquoi Jean-Louis était allé salir les bottes dans cette boue. J'ai pas cherché à en savoir plus, mais ça m'a Je J'ai pas eu envie d'en causer avec lui. Euh, je l'ai plus revu depuis. Après, j'ai vu qu'il avait fait une bande dessinée au requin, qui était chouette et drôle. Et voilà. J'ai pas d'autres nouvelles, mais il euh, y a une dimension euh, énorme et destructrice, ravageuse que j'apprécie beaucoup dans son travail. Voilà. Bon, le King de l'underground parisien. Oh là là, mais c'est un. Bah, ça respire quand même. Ça enfin, un peu le passé, selon moi. Je, je crois qu'il fait plusieurs de choses. Il s'est remis à, à, au chant euh, et à l'orgue euh, sur des pièces plutôt euh, de la période de la Renaissance. Euh, c'était assez joli, d'ailleurs. Il a une belle voix. Quand il braille euh, pas, pour faire l'andouille, euh, c'est un garçon qui a plutôt une jolie voix. Et, euh, je crois que c'est ça. Il s'accompagnait à l'orgue. Bon, moi, c'était les derniers trucs que j'ai entendus. Il changeait complètement de registre. Mais bon, je le crois tout à fait capable de combiner tout ça en même temps. Hein. Voilà une société sans école, oui, c'est vraiment très, très, très bien. C'est un très bon Illich, je dois dire. Mais d'une manière générale, Illich est plutôt euh, archi recommandable. Donc, qu'est-ce que je disais avant de parler de, de Coste Émile Benveniste, dans le vocabulaire des institutions indo-européennes, cherche à travers les étymologies à retrouver les significations sociales véhiculées par le vocabulaire. Les significations sociales véhiculées par le vocabulaire. Nous éclairons la signification d'autres se chargeront de la désignation. De son analyse du seuil, qui aujourd'hui encore est perçu comme une réalité invisible, et de la porte qui réside entre le dehors et le dedans, <coughs> il arrive à la conclusion que ces deux derniers sens sont complémentaires et ne peuvent être ramenés à des catégories ou entités qui engloberaient en même temps l'un et l'autre. Donc, à l'origine, il ne signifiait pas de genre d'espace. Meister étudie plusieurs contes populaires de diverses régions de l'Europe dans lesquelles des voyageurs sont poursuivis par des esprits malins et leur échappent en atteignant à temps un dedans. Ces récits très communs lui permettent de distinguer deux sortes de frontières entre l'intérieur et l'extérieur la lisière des champs des villageois et l'avancée de leurs toits. Le village et le toit sont tous deux des abris, mais pas du même ordre. Schmitt, dans Volks, Volksglaube und Volksbrauch, alors Volks c'est je voudrais, ich brauche, c'est j'ai besoin. Donc, le, les désirs du peuple et les désirs populaires et les nécessités populaires. Euh, voilà, ça, je pense que c'est ça. J'imagine que c'est le philologue Léopold Schmitt, un philologue du 19e. Donc, euh, désir, et, ce serait ça, oui. désir et besoin populaire. Parvient à la même observation en examinant les rituels et leurs reflets dans la poésie. Jusqu'au 19e siècle, l'expression no man's land indiquait les lieux se trouvant au-delà de l'espace sanctifié. Ce n'est qu'avec la Première Guerre mondiale qu'il en est venu à désigner l'espace s'étendant entre les lignes retranchées des deux camps ennemis. Alors, une société sans école. Je dois admettre pour une gosse le titre est racoleur. Une société sans école, ouais, je pense que ça doit donner envie. <laughs> Effectivement. Donc voilà, ça c'était la petite nature benveniste. Il est difficile de faire entendre le sens de l'espace en tant que substance au citadin. L'emploi du sanskrit permet à la philosophie indienne d'éclairer la différence entre l'espace en tant que matrice et l'espace en tant que moyen de localisation. On distingue en général sept dravya en c'est-à-dire des substances ou des sortes de matières qui ont des propriétés ou gunas, Quatre correspondent aux éléments. Donc là, ça nous sera assez familier comme typologie quoi. L'eau, le feu, la terre, les vents, l'air quoi. La cinquième est le temps. là Les deux autres qui sont mêlés dans notre conception de l'espace et à nous sont distingués en sanskrit par deux mots. L'un est Akasa, le vide qui contient l'ensemble de l'univers, qui n'est ni long ni court, ni qui n'a pas de forme ni goût ni odeur ni dimension, et l'autre, dis qui est le vide dissymétrique, le vide organisé au sein duquel sont placés les objets. Donc, pour le coup, le vide social. Enfin, celui dont on parlait tout à l'heure quand on évoquait euh, Durkheim, le vide qui est plein de la présence historique des organisations sociales, qui est simplement euh, l'espace des devenirs sous-jacents, mais ils, sont, euh, ils ont un substrat d'organisation qui leur permet de s'agencer. Ce n'est pas un espace qu'on pourrait dire vide. Voilà. Et vide d'organisation. C'est un espace qui connaît déjà des découpages. C'est une... plus une socialité de l'espace. Tu faisais l'école à la maison, tu voulais connaître la philosophie qui avait poussé tes parents à faire ce choix. Ah, d'accord. Tu as lu aussi le livre en France, Summerlin, tu as lu tous les trucs des années 70, ça ne donnait pas envie. Ouais. Ouais, ouais, il bah, y aurait beaucoup à dire sur les. les... Bah, Agnès a bossé dans des écoles marteneau, on pourrait évoquer ces questions d'école. Euh un peu spécifique. Euh, je crois qu'à part l'école Freinet, il n'y en a pas beaucoup qui proposent grand-chose de vraiment brillant pour se substituer à l'école. Euh, S'il y en a vraiment une desquelles il euh, y a un héritage euh, significatif, je pense que c'est vraiment Freinet, quoi Donc c'est difficile de faire entendre le sens de l'espace en tant que substance au citadin. Hein. Percevoir l'espace comme une matière, ils ne le peuvent pas. L'appréhender par l'odorat ou le toucher, c'est ce qu'ils ne parviennent pas à concevoir. Aussi, est-il consolant que pour Platon, s'agissant de l'espace, il serait difficile de dire clairement ce que nous en pensons. C'est comme ça qu'il s'exprime dans le Chimé. C'est un dialogue dans lequel il traite également de la fondation d'Athènes par la déesse Athéna. Chimé énonce les trois grands principes qui rendent possible la compréhension. Il y a ce qui devient, donc la chose qui devient, ce en quoi il devient, et ce à la ressemblance de quoi naît ce qui devient, c'est-à-dire ce qui devient se conforme à quel prototype, si vous voulez, à quel semblable à Comment il va, si vous voulez, comment il va rejoindre une catégorie, un ensemble À quoi il va se conformer pour appartenir à cet ensemble Dans le cas qui nous intéresse, nous aurons donc d'abord la réalité tangible d'Athènes, puis l'espace fondé au sein duquel elle naît. Et enfin, le templum. L'idée, la cité, un des principes encore plus reculés. D'ailleurs, fait freiner, c'était génial. Ouais, je pense que ça doit être pas mal. Enfin, je ne sais pas, si pour tous les enfants, ça peut être un peu terrifiant. On dire la, la liberté offerte de, de s'agencer à plusieurs autour d'un projet peut être paniquante pour certains enfants. Il y, a des, il y en a certains pour lesquels ça peut être une source de grande souffrance psychique et de terreur. Et on peut passer toute son enfance se cacher sous un meuble. Hein. Mais sinon, oui, les principes de base sont quand même assez chouettes. Dans cette partie du dialogue, chimie ne s'intéresse qu'au deuxième principe, la nourrice de tout devenir, le réceptacle qu'il convient de comparer à une mère. Alors, on ne va pas s'y gourer. En grec, mère c'est synonyme de matrice. Hein, c'est pas synonyme de femme, euh, de maman, d'accord Une matrice. C'est pour ça que le caractère métaphorique de l'usage de mère chez les Grecs, quand on parle de terre mère, etc., euh, ne vous y trompez pas. C'est moins métaphorique que vous y pensez. C'est probablement dans le texte plus littéral que vous l'imaginez. C'est pas une façon de dire les choses. C'est euh, souvent tel que vous devez le comprendre. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite image là-haut pour changer un peu de notre, notre ami Stella Kramrich Ah <laughs> Qu'est-ce que tu fais là C'est Scipion. Ah, je sais pourquoi je vous ai mis Scipion l'Africain. J'ai une raison. Alors, euh, que nous dit Morley Henri Pour le coup, Illich est également critique de ce qu'on appelle l'école à la maison. Pour lui, ça revient au même. La question importante n'était pas que faut-il que quelqu'un apprenne, mais quelqu'un qui veut apprendre, de quoi doit-il disposer Avec qui doit-il se trouver en rapport Après, à choisir, je vois sans préférer l'école à la maison. Bah, Illich est très, très soucieux euh, de voir aussi toutes les conditions d'apprentissage euh, entre tous ceux qui apprennent. quoi. Et ça, c'est vraiment plutôt très, très intéressant. C'est euh, la configuration de l'apprentissage, c'est vraiment une configuration générale euh, de coprésence. Quoi. Et euh, la question aussi, c'est euh, ben, vraiment de situer l'apprentissage au maximum. Quoi. Voilà. Et sans quoi. Euh, ça perd du sens et ça perd aussi la possibilité de rencontrer dans, euh, dans toutes sortes de configurations des formes de savoir qui sont ailleurs que dans une construction euh, magistrale, parce que l'école à la maison ne supprime pas la magistralité de la structure. En fait. Et donc, en gros, tes parents ne sont pas là pour apprendre des trucs de toi et vous n'êtes pas tous, tous, les, tous ensemble en train d'apprendre quelque chose ensemble que vous allez fabriquer ensemble. Donc, il y, y a des limites. Euh, par exemple, chez Illich, la, la cassure théorie-pratique est quand même euh, elle est bien opérée. Il n'y euh, a pas de hiérarchisation de ce genre. Euh, donc, c'est assez important aussi de voir à quoi s'agence le fait d'apprendre dans les conditions sociales de l'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il y a euh, une coupure marxiste euh, qui ferait un primat de la, 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 la pratique sur la, la théorie. Pas du tout. C'est plutôt euh, Illich a une parfaite conscience qu'il y a une réalité théorétique dans la pratique, c'est-à-dire que euh, fabriquer, pratiquer, apprendre, euh, théoriser, c'est la même chose en fait. Ça dépend vraiment de l'aptitude qu'on a à euh, fabriquer des relations de savoir. Voilà. Alors après, on compose avec le contrôle social qui pèse sur une famille, surtout une famille pauvre et scrutée par les yeux. On recevait déjà des lettres anonymes avec des articles de presse affirmant que les gosses desco à déscolariser ouais, sont dans des sectes. Oui, oui, c'est souvent dit, Oui, enfin c'est souvent est considéré la déscolarité. Euh, je ne vais pas dire déscolarisation, puisque je trouve ça un peu chelou. On va dire plutôt la déscolarité. Euh. Donc en grec, mère est euh, synonyme de matrice, non de femme. La matière même où se grave l'impression ne saurait être convenablement préparée que si elle est amorphe exempte de toutes les espèces sans exception qu'elle est appelée à recevoir d'ailleurs. D'accord Donc on est en train de parler du principe, vraiment de l'image du moule hein, euh, dans le chimé, la façon dont, dont, euh, dont la, la matrice va recevoir une empreinte. Et pour cela, euh, il faut qu'elle soit sans mélange, d'une certaine façon, cette empreinte. Aussi bien à toutes les formes, il faut que soit étranger ce qui doit recevoir en soi tous les genres. Afin de déqualifier, si vous voulez, ou de ne pas hanter qualifier cet espace de réception de la matrice. Donc on doit comprendre que cette notion de l'espace, à cet endroit-là, est un espace qui ne connaît pas de territorialité préparée, ou en tout cas une seule. D'accord Il faut qu'elle soit amorphe, sans forme. C'est ainsi que dans la préparation des ongans parfumés, l'art fait subir un premier traitement à l'excipient lui-même pour rendre autant que possible inodore les liquides qui doivent recevoir les essences odorantes. C'est-à-dire qu'il faut commencer par préparer le réceptacle pour que lui n'ait pas de propriété. Alors évidemment, vous vous doutez bien que tout ça est. C'est un subterfuge, c'est en vérité pas de propriété saisissable, computable, analysable. Euh, on s'en tient juste à ce que l'on peut voir et mesurer. C'est un. On va dire un cache-misère de l'amorphisme. Euh, c'est pourquoi, précisément, de ce qui est né visible et sensible, la mer, le réceptacle, n'est, devons-nous dire, ni terre, ni air, ni feu, ni eau, mais une sorte d'être invisible et amorphe qui participe cependant d'une façon très embarrassante de l'intelligible et se laisse difficilement saisir. Il ne nous aide pas. Et on veut dire qu'il nous produit un concept euh, en produisant son, insais son insaisissabilité même, ce saligo. Ce réceptacle... Et nourrissent de tout devenir. Poursuit le Timé. Nous ne l'apercevons que sous l'empire du rêve. Ça, c'est intéressant. Étant incapables de nous éveiller pour déclarer la vérité, car elle n'existe que comme un fantôme transitoire, bien que toutes les choses tangibles en procèdent. Là, on a. L'image, évidemment, c'est une vision encore très idéale, très platonicienne, mais quand, qui a quand même une existence dans un certain monde, on dirait un caractère d'existence dans le rêve, au moins suffisant pour avoir des propriétés, notamment la propriété de réceptacle. Dans cette captivante démonstration, Platon parle aussi de la matière porteuse des images des rêves et de l'imagination. Bon là on arrive à un vocabulaire qui va être un peu compliqué euh, si jamais on voulait décrypter. Parce que euh, chez les Grecs, il existe sept ou huit mots pour parler de l'image, et chacun d'entre eux parle d'une image très différente. Que vous parliez de l'Idola, du Fantasma, de l'éikonos, vous parlez à chaque fois de, de, de choses très différentes. Quoi. Euh, maintenant, t'as faim, tu <laughs> T'as toujours un truc, hein euh, on est, est, est venu jouer au bunker ciné l'an dernier. Effectivement, il a été approché par des faves il y a 20 ans, un peu avant la publication de son roman chez Fayard par Sorin. Artistiquement intéressant, politiquement, il a l'air un peu largué. Ouais, ouais, c'est ça. Viva la merde oui, c'était culte. Désolé, j'ai été déconnecté, mon message a fait plouf dans la fine des internets. D'accord, d'accord. C'est pas grave. Bon, on en a parlé, mais je vais pas revenir là-dessus. à ah, toi aussi t'as faim, donc. Tout le monde a faim, alors. Vous avez tous faim. Bah, ben, vous allez me donner faim, c'est pas gentil, ça. Quelle bande de salopards. Donc il parle de la matière porteuse des images, des rêves et de l'imagination. Mais il parle en philosophie antique, en homme qui sait par son expérience personnelle ce que c'est que de vivre et d'habiter dans un espace fondé et non encore catégorisé. Donc un espace, effectivement comme l'espace du templum, les catégories ne s'y sont pas encore affirmées, mais c'est un espace déjà fondé. Bon, évidemment, il y a des... on est dans un monde, là, le monde grec, où euh, quel... quelques images ont des caractères d'existence qui n'en ont pas pour vous. Donc il faut se remettre aussi dans une forme de contexte où euh, les images euh, du miroir ont une existence sublunaire. Ce ne sont pas euh, des choses sans existence. Bon, bon moment pour que Laurent fasse une pause, le temps qu'on se fasse à manger. Je ne sais pas si je vais faire ça. Mais si, faites des pauses, allez. C'est pas grave, considérez que ce que je vais raconter là n'a aucun intérêt. Avec Aristote, l'espace n'est plus appréhendé comme matière. Aristote fait du réceptacle de Platon l'une des quatre causes logiques de l'existence. Il identifie la matière. Il jette les bases d'une perception de l'espace sur laquelle la pensée occidentale va fonder la sienne, celle d'un espace qui est une étendue, et non un réceptacle. Donc là, on a souvent parlé de la conception de l'espace et de l'étendue ici, euh, notamment à propos de la philosophie du XVIIe. Vous allez faire une pétition <laughs> avec Gabriel. Donc on ne va pas revenir sur cette notion d'étendue. Accepter l'idée que qu'un euh, des avantages de replier la question de l'espace sur la question de l'étendue, évidemment, c'est sa commensurabilité. Euh, la computabilité de cette, cette étendue et euh, je dirais même à, à l'expérience immédiate qu'on peut en avoir invasion ah, de petits cœurs dans le chat pour réclamer une pause mais c'est incroyable comment vous êtes là ah oh, putain le pénible mais je vais pas faire ça je n'arriverai jamais à reprendre le fil je vais pas faire de pause je ne sais pas faire ça moi Alors, qu'est-ce que je disais? Allez, couillons, je me perds avec vous, monsieur, je ne m'auras pas à coup de cœur. Alors Dès Aristote, la cité idéale devient une fiction juridique. Jusqu'au temps de Platon et parfois encore après lui, comme nous le verrons, la cité invisible, c'était une réalité persistante. Une fois inaugurée, inaugurée, une fois qu'elle avait été construite, si vous voulez, une ville est pratiquement impossible à supprimer. Vous comprenez, l'idée est très belle, c'est que une ville a toujours été. Pour la détruire vraiment, bon, on, a, on a des exemples joueurs de cette idée euh, euh, avec Alésia. Enfin, c'est euh, Gossini qui s'amuse beaucoup dans, dans la série avec, euh, avec les, la, les villes, euh, les villes des grandes guerres gauloises, celles qui existent et celles qui n'existent pas, et celles qui disparaissent euh, complètement de la possibilité topologique. Euh, parce qu'elle disparaît euh, euh, des victoires, euh, elle disparaît de, de, de la gloire et du mythe national, donc elle disparaît tout court. Mais dans la réalité, c'est très compliqué de faire disparaître une ville. C'est-à-dire qu'elle elle peut épouser toutes les transformations du monde jusqu'à l'arasement, jusqu'à l'abandon, et être toujours cette ville. Son espace idéal, on ne peut pas l'anéantir. C'est l'idée qu'elle est, si vous voulez. Son espace idéal. Hein. Rattachez-vous à cette compréhension-là du mot idéal. Il survit alors même qu'on a abattu les murailles, enterré les bâtiments, emmené les habitants en esclavage. En 146 avant Jésus-Christ, le général romain Scipion, dont je vous ai trouvé la tronche, c'est lui que vous êtes en train de regarder, terminait la troisième guerre punique en rasant Carthage. Et oui, il a fait ça. Vous voyez qui c'est. Hein. Un... Là, ce dont on est en train de parler, euh... c'est la troisième guerre punique, je crois que c'était la deuxième, moi. Bah merde. Et vérifiez les gens dans le chat, mais pour moi, c'est la, la bataille de Zama, c'est la, la fin de la deuxième guerre punique. C'est lui qui a vaincu Hannibal en Afrique. Non mais peut-être que c'est pas la même guerre alors. Euh... Non mais je dis pas de conneries. Euh, Hannibal, c'est bien. Euh... C'est bien les Carthaginois. Et euh, du coup, c'est la deuxième guerre punique. Bon, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez là <laughs> Putain, les gros pénibles Mais rien ne vous empêche de bouffer là, d'aller vous taper un bout de pain et de manger en écoutant mes conneries Vous êtes vraiment infernaux, les gens <laughs> Vous vérifierez quand vous aurez mangé. Mais de toute façon, il est presque fini ce chapeau. Oui, il est quasiment fini euh, vais... Est-ce que je vais vous faire le labourage euh, du sol de Carthage Non Donc, on est à la fin. Donc, vous n'allez pas assister. Euh... Espace continu et cauchemar, la favela. Ah, je voulais aller jusqu'aux villes invisibles, l'espace intérieur et le dehors. Ouais, non, mais je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais m'arrêter là. Euh, attends. Ah, ouais, mais je voulais vous lire un petit bout de Borges, les villes invisibles. Et pour ça, il faut aller jusqu'aux villes invisibles. Je ne sais pas. Je vais voir. On vérifiera quand on aura mangé. Bon. Où j'en suis donc Scipion terminait la troisième guerre punique en rasant Carthage. Mais la ville n'était pas encore détruite. Il fallait, pour anéantir sa fondation, la retourner sous le soc, inverser son sillon sacré. Il fallait que la terre, qui lors du rituel de fondation avait été soigneusement formée en billon vers l'intérieur, fût renvoyée à l'extérieur. Lorsqu'il ordonna la suppression du sillon, Scipion songeait probablement à Achille tournant trois fois autour de Troie, entraînant le cadavre d'Hector pour purifier le site et ainsi faire disparaître la vie. Je crois que je vous ai trouvé une image de... terrible hein, de. Voilà, c'est ça. Ah, les toutes petites, j'ai pas trouvé mieux. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de ça euh, dans l'Iliade, ce, ce moment absolument terrible où, où Achille est dans un état de rage, de colère folle, une colère que plus rien ne peut, peut apaiser parce que Hector a tué son meilleur ami. Il a tué Patrocle et euh, il revient au combat. Donc alors qu'il voulait plus combattre Achille, il avait quitté la scène, quoi. Et il affronte Hector en combat singulier. Il le tue, mais ça, ça lui suffit pas d'avoir tué, euh, tué Hector. Il, il, il veut faire, il veut Assouvir sa vengeance en privant son cadavre des honneurs que l'on rend aux guerriers morts. Et il le traîne. Euh, il fait trois fois le tour de la ville en traînant son cadavre, malgré les supplications de tous ses amis d'arrêter de, de, ça. Puisque c'est comme ça, que tu vas faire de la polenta. Pourquoi <laughs> il y a eu un traître à ta cause, euh, Suze, dans le chat Bataille de Zama. Deuxième guerre punique. Bah oui, merci, Dr. Wack. Ah Bah oui. Alors il tresse une gouffre de carouf, mais tu manges vraiment n'importe quoi quand même. On va me faire un wrap. Vous partez pas. <laughs> ah, dis donc, où tu vas te trouver ça Je pense pas qu'on puisse trouver ça ici. Hein. Moi, je suis en pleine campagne. Euh... Quand l'âme d'une ville a été annihilée, alors seulement, lui est définitivement déniée toute existence, et la vie sauvage reprend possession de son site. Bon, écoutez, ça fait 3h48. Je me demande si ça ne suffit pas pour ce soir. Si c'est pas sage de s'en tenir là. Parce qu'il est un peu long le bouquin, je ne vais évidemment pas vous lire tout ça ce soir. La, la prochaine fois, je pense qu'on ira jusqu'aux villes invisibles, aux espaces continus. Ce qui me permettra de vous lire les deux rois et les deux labyrinthes de, de l'Aleph de Borges, en plus. Et je pense que là, il y avait déjà beaucoup de choses. C'était assez beau ce passage sur la, la, la mythologie. Euh... Euh, de, de la construction du Templum, etc. Comme ça, vous allez pouvoir tous et toutes aller bouffer. Et ça, c'est pas formidable. Avouez que vous attendiez que ça. Une bonne occasion pour aller bouffer. Puis moi, je vais faire pareil. Pardon. Ah, Franck joue à Warhammer et Bichette à Warhammer. Ben non, il joue. Je vais pas vous faire raider du tout chez, chez Franck ou Bichette. On, moi, j'en ai tellement pas grand chose à foutre de Warhammer. Je vais pas faire ça. Euh, du coup, qui euh, peut-on raider Il n'y a pas grand-chose qui me donne envie de raider. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a Bam. Voilà, c'est sur Bam. Alors, maison, le wrap, faut pas déconner. Deux tranches de tomates, salade, maïs, galette de maïs dans un toaster pendant... Ah d'accord, tu fais tes wraps. Bon, d'accord, tu ne sors pas. Ben, on ne part pas, non, mais on va peut-être arrêter là. Hein c'est pas mal quand même, un petit live de 3h49 sur Ivan Illich. Moi, je trouve... Hein. De toute façon, demain, normalement, on a philo avec Bergson et Gabriel. Il faut que je lui écrive un petit mot pour lui demander si c'est le cas. Donc du coup, on va peut-être faire ça. On peut, on peut aller raider chez des oiseaux. Hein et il n'y a pas grand monde. Donc, euh, pourquoi pas On est samedi, c'est ça. Hein et bien, puisqu'on est samedi, et puisque perso, je ne vais pas vous emmener chez Warhammer, euh, parce que je ne vois pas. Euh, c'est pas mon monde. Je vais vous emmener chez Bam. Vous connaissez sûrement déjà son sa chaîne, je suppose que vous êtes rompu à ces euh, lectures, c'est généralement des lectures écolo, bah, ben, euh, et ben on va faire ça. Moi je vous embrasse très fort, je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à demain, à très bientôt.